Il n'y a pas de... Sur Steam, de trucs moins de 12, moins de 16, moins de 18. J'en vois jamais. Tu dois renseigner ton âge quand Ah tu cliques sur oui. l'affiche du jeu. C'est vrai, j'ai mis ne plus afficher. C'est vrai. J'ai oublié parce que je le vois plus depuis longtemps. Moi, je le vois encore, je savais pas qu'on pouvait cliquer sur ne plus afficher. Dans les paramètres de ton compte, je crois que c'est l'affaire. Parce que j'ai passé la majorité quand même depuis quelques années maintenant. Ça commence à être safe, quoi. La boulangère te tutoie plus, quoi. Tu sais que dans un an, t'avais 30 ans et pas moi. Moi, je suis encore Tu fais jeune. chier. Putain, je te jure, en vrai, c'est un vrai problème. Parce 30 ans! que Oh la quand t'as 30 ans, vache! après t'as 40 ans. Et ça, c'est un vrai problème. 30 ans, c'est vieux, C'est hein. pas grave T'es d'avoir au 30 courant ans, quand même. mais c'est grave d'avoir 40 ans. Non, non, mais même 30 ans, t'es au courant. 30 ans, mec, on dit quelqu'un qui est âgé qu'il a 30 ans, quoi. Genre, moi, si je dois prendre l'exemple J'avoue. de quelqu'un qui est vraiment vieux, je dis bah, En fait, c'est 30 ans. un jeune vieux. Oh, mais non, je le mets plus dans le jeune, hein. Mais putain, mais lui, pourquoi tu fais le mal alors que dans un an et 6 mois, c'est mort. Bah Genre, parce que toi c'est dans un an et moi c'est dans t'es un an et pas six du mois. tout safe, genre. À aucun moment, t'es safe en fait. Je te Ouais, jure par mais sec. j'ai su rester jeune. Ah oui, bah oui. Alors oui, j'ai des problèmes de gens qui ont 60 ans. Mais dans la tête, Ouais, t'es je déjà serais mal comme un parti en gamin. vrai. Hey De... mate, Richard Oh! Lamarina, your Qu'est-ce qu'il friendly veut? neighborhood seduction guru here, and welcome to Super Seducer. I'm Qu'est-ce so qu'il veut? excited to be getting it Salut, into tu vas your peut-être te hands. faire ban de We had Twitch, a mais c'est pas fantastic grave. time creating it, and I hope that you have Sache a que real beaucoup de tes blast confrères ont été playing it. bannis avant toi, But ça it's also durera going to une ou be deux really semaines. interesting, I Eh, hope, n'hésite and pas à aller voir, c'est quelques psychologically sites pornographiques challenging que j'ai because montés we aussi avec ma know the boîte. in-principles in coming up with the game. So go ahead, jump in there, and finally, thank you so much for buying it, and I hope you really Y a enjoy pas de it. souci. Si on Ah, l'a c'est acheté lui! pour se faire ban. Mais attends, Oui, c'est lui il joue dans son l'acteur. propre jeu! C'est excellent! Alors, Par contre, sous-titres. ah ouais, bah ouais, nous les faux. Langue Parce qu'il est française. bien gentil de mettre langue en français, Il mais est. s'il met pas les sous-titres. Bon, moi Ouais, je sais que ce serait c'est section tout italien, va mais on être en regarde en anglais. français. Non, mais tout va être en anglais, ok. C'est quoi? Attends. Activer quoi? Je désactive. C'est Twitch. quoi Ah, du. genre vraiment, c'est du taunt. Ils vont carrément mettre Twitch dans le menu. Quoi? Non mais attends. Ah, il y Oh, a ça sert peut-être à quoi? un. Il y a peut-être une histoire là Quelqu'un de sait à quelque quoi ça chose. sert? J'ai envie de donner mon canal. Bah ouais, donne-le. Attends, 2 secondes. Parce que je vais afficher. Attends, contrôle Alt Sup. Je vais revenir sur ton écran quand t'auras finito. Ok. Ouais, vas-y, t'es plus là? Vas-y, c'est bon. Ok. Je vais aller voir sur pour les votes. Ok. Je vais pas me faire hacker la chaîne Twitch. Bon bah c'est cool alors. Et je pense que ça Par se trouve, ouais, c'est des contre. gens qui disent. Ah ouais, mais c'est si on veut pas, si on veut voter nous. Si c'est les gens qui votent à notre place, on est pas dans la merde. Je pense que c'est bien fait. Mais si vous êtes. De toute façon, si vous gâchez tout, on vous retirera les droits, donc. Donc bon. Pour Minecraft, j'ai réfléchi à des modes qu'on pourrait faire. Vas-y, je suis revenu sur le jeu, j'ai vu des nibards, sans déconner, hein. Ah, Enfin, pas loin mais quoi. non, mais c'est, enfin, tu veux qu'on aille dans la catégorie discussion de Non, Twitch? y a pas de souci, y a pas de. Bah Oui, alors, je bah suis non, mais ça va. désolé, c'est Twitch content, C'est hein. vrai, c'est Y a vrai. rien de grave là. C'est vrai que ça va. Ok, paramètres. Il y avait le volume qui était un peu Putain, fort. les dogs, ils voyaient pas les nibards, ils ont tous pas. Mais on voit rien, on voit Mais rien! C'est bon, je montre, mets montre! l'écran là. Allez. Montre les nibards! Ok, mode histoire. Si tout le monde est prêt, on va y aller. C'est quoi un Ça. livre de conseils? C'est des conseils de séduction? Fille dans la rue. C'est une blague, ils donnent même Quelqu'un. pas des conseils. Quelqu'un a besoin. Oh, faut débloquer les conseils! Oh Mais non, c'est vraiment. Attends, fille c'est dans la un jeu forêt! de loser ou. Ouais, attends. Mais attends, est-ce que premier degré c'est un jeu de loser ou pas? Qui t'apprend vraiment premier degré à séduire? Non mais c'est excellent! Parce que déjà, premier conseil, fille dans la rue, bah laissez-la tranquille. Voilà. Attends, C'est pas un oh endroit merde! approprié pour draguer Je quelqu'un. peux pas regarder. Donc, je sais Ok, pas on s'il va. donne des conseils, mais allez vous faire enculer Non, moi ceux je qui vais font tous les chier les débloquer. meufs. Putain. Mode histoire. Putain, sa tête me. La tête du mec me met vraiment mal à l'aise. Hein. C'est. Et imagine, c'est un loser en fait, il a fait le jeu, mais tu sais, il est un peu dans cet esprit, ouais, je suis aussi coach en séduction, tu sais, dans la C'est un vraie vie. pur loser. Hein. De toute façon, tous les coachs en séduction sont des purs losers. C'est clair.
Alors, des anciennes chapitre Vicos, 1. les coachs en séduction. Ah ouais, non, c'est vraiment. C'est clair et net. Tu marches dans la rue et une fille attire ton attention. Arriveras-tu à l'aborder et faire en sorte qu'elle te parle et qu'elle veuille te revoir? But, avoir un rendez-vous instantané. Je vais faire les pires choix. On voit pas ses yeux, c'est un gros malus. Ok. C'est fort! C'est fort, c'est très très C'est fort, fort. c'est fort, C'est c'est trop fort, fort, je c'est fort. dirais. Je quitte la rue. J'en ai ras le Je cul. rentre chez moi, car il est 20 h passées. Ah ouais, je veux plus là. C'est trop. C'est encore trop fort, non? Mais ça n'a aucune incidence de son. En fait, je pense Attends, que les je vais vidéos juste faire le mélangeur quoi, parce que. n'ont pas de lien en fait avec le son que tu modifies. Hey! Elle est pas mal! Attends, mais alors attends, comment faire peur directement? Alors, approche-toi directement de face, approche-toi de face un peu sur le côté. Non, faut pas y aller en mode se cacher, il faut pas se cacher. Fais semblant d'être Marche. aveugle. Mais attends, mais Alors. tout est atroce. Bah faut l'approcher directement de face, je pense, hein. Là, y a pas le choix, hein. On va pas. Fais semblant d'être aveugle, pitié, fais semblant d'être aveugle. Mais c'est pas fait! Mais on va devoir être Mais aveugle à on tous les joue la rendez-vous! carte de l'humour, Mais oh mon dieu. non! Mais les aveugles ne font pas ça dans la Je vraie vie. pense que la meuf, ça. It's just not polite, Ça n'a pas marché du tout. Puis Bon il alors. était un très mauvais aveugle. Hein. Moi, je pense qu'il faut. Ça veut dire quoi, de face et un peu sur le côté? Bah, comme si t'allais la croiser, donc vas-y, fais Bah, on ça. va juste la croiser, il va rien se passer en fait. Moi, ce que. Si, moi je ferais. Excuse-moi, just Stéphanie? wanna ask you something really quick. I'm busy. Oh! Non, je pense qu'il faut l'intercepter. Il faut It's just l'intercepter. not polite, is it? C'est pas très poli. Bah. Attends, mais. Marcher à côté Non, d'elle, mais. c'est ultra creepy. Yo, ça va, Sortir un flingue mademoiselle? et la braquer. Ça, c'est douchebag de ouf, c'est à chier. Siffler. C'est hyper douchebag, c'est à chier. C'est vachement Mais beauf. ça se trouve, il y en a avec qui ça marche, c'est ça qui me désole le plus. Attends, viens, on la siffle, ça se trouve, ça Siffle. marche. You wish. Ouais, je me disais bien aussi, évidemment. Not right. You want to J'en stop étais her sûr. and talk to Non, moi her j'aurais when dit she's A dès le début, stationary. hein. You don't want to walk with her. It's kind Mais of mec, ça weird. fait And then juste you can never peur. tell if she'll T'es speak là, to you or not. tu fais So ta vie, il y a un mec either qui te stop and bloque talk la to her. route. If she keeps walking, let her go. Let her go. Moi, celui qui s'approche directement en face, c'est un psychopathe. Ok, vas-y, test. De Pour moi, face. c'est un psychopathe. Arrêtez-vous! Oh, il prend tout le trottoir, il écarte bien les bras là. Ouf, ouf. That's correct. When you stop a girl on the street, you need to Mais keep her pourquoi moving il y a des fast. meufs à Pourquoi il y a côté des de lui? dames à Only leave côté de some lui? enough space so that she can slow down and comfortably stop. Ah, merci pour cette leçon. Je t'ai aperçu et je veux juste te dire que t'es très élégante. Salut, t'as une minute? Salut, on ne se serait pas déjà vu à un cours de yoga? Je te trouve très jolie, j'aimerais te lécher là tout de suite. Ok, tu On me n'était pas dans répondais la, on par n'était pas pitié, dans la tu même me université. répondais. Putain, vas-y, mais elle va appeler la police, t'es trop con. Mais Putain. qui te dit que ça I just saw marcherait you pas? and I'd really love to go down on you. Oh mon dieu. What'd you Fuck say? you, asswipe. What? Genre, il est surpris. Quoi? Mais pourquoi elle m'a mal répondu? Don't be sexual until you know that she would be open to it, which is never going to be C'est in the vrai. first few seconds, especially in the daytime when she's probably just going to buy a coffee or on her lunch break. Mais du coup, si elle est en route pour aller faire sa vie, laisse-la tranquille de base. Bah oui, de base, oui. De toute façon, à cause de la rue, c'est plus très à la mode, hein, donc. Bon, le cours de yoga, il est un peu drôle, franchement. Ouais, ça peut être une approche, ça peut quasiment la faire rire, on sait jamais, tellement Correct me c'est if I'm nul. wrong, but I'm sure I've seen you in my yoga class. Do you go there? No, I don't do yoga. You don't? No. Not at all? We should try. Attendez, je vais bouger les Why alertes. did you ask that? Gives us the opportunity to say Je no n'en peux if you plus. ask. Hop, 2 secondes. Non mais dans ce cas-là, je suis désolé. C'est la porte ouverte à n'importe quoi. Il va nous apprendre You quoi have après? time? Do you want to talk to me? Pour l'instant, en More fait, than en vrai, si on likely, met pas it's les still choix the trolls, c'est beginning. assez clair. Hein. Mais il va nous apprendre à Genre, draguer pendant un enterrement après. en Hein. vrai, là, c'est très simple. En fait, c'est juste une approche polie qui veut quoi, c'est ça. Bah. Te dire que tu es très élégante. Est-ce que t'as envie que ta meuf elle se balade dans la rue là, elle va au taf, et qu'il y a un mec qui se mette en face d'elle, il la bloque et lui dise.
je t'ai aperçu, je te trouve très élégant. Non, est-ce c'est de la giga merde. Mais est-ce que tu veux voilà. Est-ce que tu veux qu'il lui dise je vais te lécher la chatte ou t'as... Genre, c'est quand même mieux, tu vois. Vas-y, j'ai même pas répondu. Oh, le coup de chance. Il a utilisé le contexte. I did take drama. I don't remember you. I knew you looked familiar. How long ago? What was it? I don't know. Oh, j'ai eu trop de chance. Not for me, but it's cool we had both took drama. This is okay. Regarde le succès que j'ai. Tu vois derrière moi, c'est bien, bien ce que tu crois. Voilà ce qui t'attend si tu réponds comme ça aux femmes. I'm actually going to the park to feed the squirrels with my friend. What? Feed squirrels? T'as 80 ans ou quoi? And ducks or squirrels? No, just the squirrels. Oh, un peu d'humour. Nice. Quel tombeur. What do you feed them? Like hot dogs? Almonds? Almonds? Yeah. That's their favorite, is it? It seems to be. That's nice. Well, they're really cute, aren't they? They are very cute. You like animals? I do. C'est pas impossible, cette discussion ne continue pas comme ça. C'est pas possible. C'est trop tôt pour parler. Dans la vie, ça n'arrive pas. C'est trop tôt pour parler une minute d'amende, elle te connaît pas. Pose-lui des questions pour que ce soit elle qui parle le plus. Tu es tellement belle, ça te dérangerait que je t'embrasse? Oh mon Dieu. Oh pitié. Moi aussi, j'ai trop envie de voir ce que écoute, ça fait. Faut voir ce que ça donne. Hein. Se pencher pour l'embrasser. No, not trying to fuck you in the ass or anything, just a little kiss. Oh wow, il avait l'air d'être un si gentil garçon. Oui bah enfin, monsieur, vous avez été plus loin que ce qu'on avait demandé de base. Putain là, ce qui va pas là, c'est que voilà, tu vois, il a pas de meuf derrière lui là. Là il est seul, c'est pas bon. Ouais, ouais, il a pas fait le bon choix. On va faire en sorte... Oh, j'ai eu un achievement offensive. Offensive. Ça y est, je suis un prédateur. On va lui poser des questions pour que ce soit elle qui parle le plus. Super. C'est vraiment des conseils de coach en séduction, ça. Tu sais quoi, prochain truc, je réponds comme le plus gros beauf du coach en séduction, des trucs banals. Ah ouais, mais ça va marcher de ouf. En fait, c'est assez évident. Ça va être simple. C'est assez évident à chaque fois. Ok, what's her name? Is it a he or a she, actually? In the beginning, the girl actually shouldn't ah, c'était pas ça. Pas ça non plus. Évite de poser trop de questions. Il m'a appris un truc de ouf. Trop fort, ce coach. Parle beaucoup. Mais d'où c'est une bonne chose? Mec, vas-y directement. Bah écoute, j'ai 2 millions d'abonnés, je gagne énormément d'argent. Plutôt 6 ans. Voilà. I was just walking, there's a nice park down there. And then I'm gonna meet some friends, but I've got like 40 minutes. And that's why when I saw you, and I thought you looked friendly, so that's why I came over and said hi. Okay. Genre, mais d'où ça peut marcher? On s'en fout de ce qu'il a dit. Oh, je vais enlever la liaison à Twitch, ça défonce le chat. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi le truc. Le plus grand conseil, c'est l'humour. Hein. Oh là là, il l'a fait rire. Okay. Alors, il est trop drôle. Il est pas très drôle, non. Ce mec. Il fait semblant de regarder ses boucles d'oreilles pour pouvoir la toucher. Comment ça te toucher pour l'exciter? Désolé, fais-le. J'aime bien les écureuils. Cashews. Oh my god. What? What? Oh, mais quelle gêne. You like nuts, you think? Oh god. If you like touching yourself, great, but make sure you do it in the privacy of your own home. Bien vu ça, coach. Trouve une excuse pour retirer ta chemise et montrer ton corps. Demande-lui ce qu'elle. En plus, je suis sûr qu'il a un corps de lâche. Fais la chemise. Moi, je pense qu'il a le torse super poilu. Ouais, c'est grave possible, ouais. Pitié, montre-le nous. Non, non, montre. Fais voir, j'ai parié. Oh, on verra plus tard. Après ce chapitre, j'enlève le bot. Demande-lui ce qu'elle fait dans la vie, qu'elle ressemble à une artiste. Oui, bah c'est ce qui me paraît le plus logique. Demande-lui quel genre de coiffure tirait bien. On s'en bat les couilles. Elle oui, te bah, répondra bah, pas celle-là. Ça va être ça, hein, bien évidemment. Oui, vas-y. And tell me what you do because you look a bit artistic. Well, I actually work in non-profit. On s'en fout. Non-profit. Charity. Yeah. Boring. Ah ouais, m'en fous. Je parle juste là. Je parle. M'en fous. Mon but c'est le plus marrant. Vas-y, parle. You like doing good things. Yeah. That's cool. Thanks. I'm focused on
money. No. Ouais, tu travailles dans l'informatique, quoi. T'adores genre les cartes graphiques, c'est trop cool. Voilà, tu lui as dit que tu aimais l'argent. Maintenant, elle veut sortir avec toi. C'est génial. And if you choose something to do with fashion or art, it's always a compliment for a woman because it kind of la meuf à côté, elle a acquiescé. Elle a fait oui de la tête, elle a fait ouais, il a raison. C'est comme oui, ça qu'il m'a eu. T'es célibataire. Oh, regarde sous sa jupe. Non, il y a des trucs de détraqué. Regarde sous sa jupe. Mais encore une fois, elle va lui mettre un coup direct, il va pas y arriver. Au bout d'un moment, ça passe. Attends. Hey, you've got something on your foot there. Let me just get it. Hey, what the fuck? Il est trop nul. True gentleman. Yes. Présente-toi. Bah c'est un peu tard, non? C'est... Non, c'est trop tard. C'est un peu tard. Demande-lui son nom et dis ensuite que tu t'appelles aussi comme ça. C'est drôle, mais ça marche pas. Attends. C'est quoi? Si son nom est complètement féminin, ça va être marrant. What's your name? Alexa? No way, you're joking. No. That's my name too. I'm Alexa too. Nice to meet you. Trop putain. Isn't that crazy? Ah bah, crazy. Quelle gêne, ça fonctionne pas. C'est gêne, là. Et voilà, la blague. You too. Ah, même moi, il m'a séduit avec cette blague. Oh, ça marche! Et oui. C'est toujours l'humour. Hein. Pff, il est fort. Attention, en revanche, si la personne a un prénom unisexe, la blague ne marche plus. Et là, vous devez vous expliquer juste ensuite. C'est pas très drôle. Voilà. What kind of things do you like to do in your free time? I actually don't have a lot of free time. Mais ils sont genre en speed dating au milieu de la route. Genre c'est pas possible en fait. Ça ne... Depuis tout à l'heure, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Qui s'arrête, on se passe. C'est un scénario qui est fantasmé par la personne qui a fait le jeu. Ça n'existe pas. Yeah, it's hard for me to stay sitting down. Not couch potato. Well, every now and then, but in general, no, more active than down. I'm kind of semi-active. Yeah. Putain, sa ceinture et sa montre en or là, c'est trop. Ouais, le c'est trop. Bon, allez, donne-moi ton numéro là. Bah, on est au milieu de la route, on ouais, se fait chier. Donne-moi... J'en ai marre de ses réponses. Dis-lui directement bon, j'ai 23 cm dans le slip. Bon, voilà, je vais te le dire direct. Vas-y, je dois aller rejoindre des amis là, c'est bon. Okay, listen, like oh, mais attends, mais t'auras pas son numéro là. Si, si, regarde. Ah, si, d'accord. Tu vois sure. Regarde les femmes dans mon lit. Elles vont apparaître tout de suite. Well done, oh merde! Tu as obtenu un faux numéro. Ah, bien vu. Attends, après toute cette discussion, ouais. Elle donnerait un faux numéro? Je pense pas en vrai. Enfin, peut-être qu'on s'avance un bah peu, non. Mais bon... Parce que elle était pas gênée ou quoi, non, elle dans avait le scénario, très elle était en mode, voilà, genre, j'aime ce qui se passe, donc c'est bizarre qu'elle donne un faux numéro. Faut la complimenter, là. Attends, mais attends, déjà, même, c'est quel genre de traqué, la meuf donne son numéro, et le gars, il fait, attends, tu bouges pas. Et il l'appelle devant attends. Elle pour voir si c'est un vrai numéro. Attends, deux secondes, on sait jamais. Allez, petit compliment. You know, I really love how you just dress really casual, and you don't... You know, some girls like make loads of effort, so it's good that you don't really care. C'est bien que tu fasses pas d'effort. Oh non, c'était bizarre son compliment. Ouais. Just what comes to mind, you know. C'est bien que tu sois négligé comme toi. J'aime bien les filles un peu crades comme toi là. Ça a pas du tout marché. Ton odeur de gasoil et de crasse comme ça là. Faut pas se laver tous les jours. C'est pas bien. J'aime ton côté écolo. Très artiste, très. Bon, d'accord. Bon, bah, je vais vanter mon passe-temps, quoi. Super. Have you ever tried climbing? You know, like on these walls. I've heard of it. I've always wanted to, but I haven't yet. You know, it's very cool. We've got some place that we go to. I've only been like 4 times. Really fun. On dirait que c'est deux personnes qu'on a obligé d'être en date. Ils se comportent ouais. Vraiment de manière gênée tous les deux. C'est trop bizarre. Quand tu parles aux filles d'escalade, ça fonctionne direct. Elle s'imagine déjà grimper ton corps. Ouais, c'est génial. Mais quel loser, putain, quelle gêne. C'est vrai, c'est un vrai loser. C'est une vraie personne, ce mec, ça me tue.
Yeah, loads of stuff. C'est pas un acteur en fait. Enfin, c'est. Like tennis? Il pense comme ça. Squash. You know what squash is? Croit en, en son coaching. I don't know. I mean, most sports now. Were invented in England, obviously, but I think they play it everywhere. It's, oh, on s'en bat les couilles, mec, on est dans la rue là. On est sur le trottoir. And you can hit the ball like anywhere. And it, I think it's the best exercise. You're constantly running and. Yeah. Yeah, moi je dirais, ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouais, c'est vraiment genre, j'ai l'impression que t'es dans le Uber et le chauffeur il te parle beaucoup quoi. C'est vraiment. Imagine la meuf, elle commence à mettre ses écouteurs devant lui. Ouais. You said you work in IT? Là, elle est polie, elle est juste polie. Dis que tu es un mannequin de fesses et essaie de lui toucher le cul. Oh, obligé, obligé. Bah oui, bah j'en ai rien à foutre. Obligatoire. Yeah, I work in IT, but I'm also an ass model. Look, check it out. Oh, come on. Look at that, what do you think? It's nice. Good, yeah? Sure. Have a touch. No. Put your hand on it, it's fine. Don't be shy, come on. Oh. You can, really, it's okay. No. Look, la, en fait, la blague aurait duré 5 secondes, ça aurait été presque. I could get your job. Ça aurait pu passer parce qu'elle n'était pas encore tout elle, à fait elle jolie. Trouvait ça un peu rigolo au début. This was going okay until you tried to touch her. You know, girl is not voilà, donc tu peux refaire la même blague, mais sans la toucher. Et un peu moins longtemps. Ok. Programmeur et parle-t-en avec passion. Non, c'est chiant. Non, quelle horreur. Change de sujet de conversation pour parler de philosophie de vie, mais pas sur le trottoir. Dis que tu es un recruteur de mannequins. Alors, les recruteurs de mannequins, je trouve que c'est tellement creepy, les gens qui recrutent des mannequins dans la rue et tout là. C'est... Et puis, quel genre de bouffonne pourrait se dire « Ah, trop bien !» Alors que ça se voit que c'est clairement un truc bizarre et faux. Et dis que c'est chiant et que ça ne te plaît pas vraiment. Ouais, ça, c'est vrai que t'as raté ta vie. Bah, dis, mais il va peut-être embrayer sur parce que moi en fait ma passion c'est aider c'est un artiste autres. Ouais c'est un artiste c'est un philanthrope. Yeah, I work in IT for this software company but it's just it's so dry and boring and every day is just repetitive but you know pays il aspire à plus salary, so that's why I stick with it. Okay. Mais dis en plus. Quoi? Je suis un peu en train de rater ma vie ouais. Ma vie c'est de la merde ouais. Je suis un loser dépressif mais regarde là. Bien sûr ouais, que non, pareil, jamais. Enfin, si je suis une meuf et que je me fais aborder par un mec comme ça, je me dis juste, je suis la 30e à qui il le fait aujourd'hui. Bah oui, et s'il dit non, c'est même pas il un ment. Compliment. Seulement si elles ont l'air de vraiment vouloir du cul. Well, you know what, there's a special quality I look for, and I would only stop girls if they have that exact thing. So, okay. It's quite, you know, something special going on. Oh non, il l'amène you en plus. You want to know what it is, the quality? Yeah, I do. Well, it's just when the girl just looks like she's dying to be fucked, and basically, yeah, like she's just ready to bang right no, there that's and then. Vulgar. Terrible. Really vulgar. Vulgar? Yes. No. Vulgar? Comment il la regarde? Ah, il la suit là. That's totally cool in the game, but in real life, I must tell you that you shouldn't even swear at girls, never mind getting sexual. Il a raison, écoutez-le. Man, écoutez, parce que vous le saviez peut-être pas, donc c'est bien qu'ils le disent. Voilà. Les gros porcs du chat. On a cliqué pour vous montrer que c'était pas bien, évidemment. And if they're not rude, on est juste à but éducatif. Alors, si on dit bien sûr que non jamais, elle le croira pas. Mais moi, réponse C. J'aurais dit C. Le pas très souvent, ça veut dire que je l'ai déjà fait. Ah oui, le bof, le entre les deux, quoi. Et ouais. L'honnêteté un peu coupable. Non, pas souvent, mais je pense que quand je suis single, quand j'aime le look de quelqu'un, je me dis pourquoi pas commencer une conversation, parce que tu ne sais jamais ce qui va se passer. Could become friends, could date, or super. Just have a nice interaction. Why not, right? Definitely. This is the right choice. Et voilà, vous êtes prêts à baiser ces deux mannequins sur le lit. Et voilà, vous êtes parti pour la giga partouze. It's going to also show that you're telling the truth, that she can trust you, and show that you're confident enough. Je suis prêt à mettre 50 000 balles sur la table qu'il a pas baisé ce jour-là, hein, à ce tournage-là. Il a rien baisé de la semaine. J'ai quelques minutes. Si on allait prendre un café, je dois aller rejoindre des amis, mais j'aimerais te revoir. Je peux avoir ton numéro. Ça, ça a toujours pas marché, je pense. À moins que maintenant qu'on a un peu plus bossé. Prendre un café, il peut se tenter. Hein. Elle nous parle depuis tout à l'heure. Elle essaie avait même pas de faire café comprendre qu'elle avait de partir. Ah non, elle revient de l'université, qu'elle je dans crois. La rue. Elle voulait se faire arrêter dans la rue, c'est tout. Ouais. Ça dit de prendre un café. Listen, I've got a few minutes. Why don't we quickly grab a coffee? Oh, I'd like to, but I'm actually going to meet my friends. But I could give you my number. Okay. Oh. Et c'est dans la poche.
Tiens, je te laisse l'ajouter, puis après tu peux t'appeler toi-même pour voir si. Oh, ce regard Oh, chelou! cette tête. Oh! Pretty well. You didn't get C'était. the Ça very s'est best très mal result, passé la which fin. meant that you made a few decisions that weren't quite ideal, but you did enough to get the result and see the go again. You got the number, so well done. Le simple fait qu'il ait mis deux meufs en guise de correct, comme ça, Correct. C'est vraiment. When you Ça put prouve the tout en fait, movie, you need to genre, leave her pur only in tocard. front of her and also leave enough space so that she Ok, can je slow vais aller down and déconnecter le bot. comfortably stop. Il sert à Résultat, quoi finir le Casanova. bot? Bah, je sais pas. En vrai, je sais pas. J'en ai aucune idée. Deux filles dans un bar. Deux! Là, c'est trop Oh! gourmand. Là. Wow. Il va falloir être un acrobate là. Deux jolies filles sont en train de Je boire ne du pourrais vin. pas jongler avec autant de nibards. Non, c'est trop. Quatre. Tu auras besoin de beaucoup de savoir-faire pour arriver à quelque chose. Es-tu prêt à relever le défi? Ok. Viens, on essaie de faire genre un 100%. Genre, Ok, ce, aucune genre erreur. aucune faute. Aucune erreur. Genre, deux meufs, aucune erreur. Ok. En plus, la On musique va est vous jazzy montrer lounge. qui c'est les mâles, Allez, les alphas parce que pour l'instant, de on Slide. plaisantait, vous êtes juste des tocards. Non, non. C'est parti. On en a déroulé de la bite. Comment vas-tu briser la glace? Demande-leur si elles parlent de toi. Si elles répondent que non, non, c'est nul. Dis-lui que tu te souviens l'avoir vu à l'école. Non, non, Approche non. nulle un peu. Hein. Demande-leur si elles savent ce que tu aimes chez une fille. Ajoute que la réponse est ta bite et montre-leur ma bite. Approche-toi d'elle discrètement par derrière le canapé. Mauvaise idée. Demande-leur de t'aider à choisir un cadeau pour ton ami. Ça marche à tous les coups. Ouais, ton ami quoi, du coup. Faut vraiment. Ouais, c'est ok. Pas ta petite amie quoi. Ça aurait mieux marché si c'était pour ta petite sœur. Mais ouais, l'ami, ton ami, on va c'est, dire un peu ça ambi... c'est un peu ambigu, mais ça va marcher. Maybe we should go Regardez le chat. Hey girls. Sorry, excuse me. Can you help me with something really quickly? Yes. Okay, good. Right, what it is tomorrow's my best friend's birthday. Parfait. And she's a girl and she looks kind of Et voilà, elle est intéressée directement. Bien joué, bien joué. So I want to get her something. Le chat qui dit c'est. You know, like something to do, like jewelry or Faut pas montrer sa bite comme ça le chat, c'est. You wanna buy her a present? Yeah, yeah, I want to get her a present. She's just a friend, but I want to get her something really cool. She's a good friend. What do you think? Maybe you can give her a coupon. Super oh, idée. Merde. Super idée ça. Super idée de merde. Autant ne pas demander du coup. Yeah, yeah, I don't know. Depends on what she likes. Mmh, une carte cadeau Fnac. Mmh, ouais. So maybe the gift card would work for her. Un coffret découverte. Voilà. Mmh. It's very good in that it will often get you into a conversation. Ok, le chat, vous voyez que bon, il n'y a rien de laissé au hasard hein, pour l'instant. Après, on sait pas, mais peut-être que montrer sa bite ça aurait marché aussi. Ah, il y a peut-être deux réponses. Nice. Remercie-leur pour leur conseil et demande-leur leur nom. Approfondis un peu le sujet. Non, on enchaîne, on enchaîne. Bah non, tu peux faire comme ça, c'est comme un nom, enchanté, moi c'est machin, voilà, et tu rembrayes sur une conversation, voilà, c'est comme voilà. ça que le mec s'en sortirait. Faut pas rester 1000 ans dans ton histoire, sinon t'es foutu. Donc, ah. Oh, that's great advice, thank you very much. No problem. I think she'll like that, yeah. So my name's Richard, by the way. Anastasia. Nice to meet you. Nice to oh, that's meet a nice name. I know. Thank you. That's a good name too. I'm Richard. Voilà. Il est trop charmant. Et là, on embraye. Old English name from oh, yeah? kings and stuff, yeah. Oh, yeah. Okay. Faut parler, hein. Faut parler après, parce que là... And I see them getting into these kind of present openers, opinion openers, and staying on that subject for 5 minutes until it dies out, and then they have to get out of there. So ça, c'est un vrai conseil de coach, écoutez le chat. Là, il va dans le détail. Vous auriez des idées pour un cadeau pour mon ami? Vous voulez voir ma bite? Vous glissez comme ça des petites phrases. And I think you studied drama. Is that exactly right? No, opposite. The opposite. So you opposite. Studied fashion and she studied drama. C'est pas grave, c'est drôle. So, I studied economics. Uh-huh. Yeah, I studied business. Okay. Yeah, so it no, has nothing to do with drama and fashion. Not really. Not really.
fait un lien avec son entrejambe. Ça me semble très bien. Je vois pas lequel, mais complimente-la en disant qu'elle a choisi des sujets difficiles. Entre dans les détails en parlant à la fille qui te plaît et demande-lui quels sont ses cours préférés. La fille qui me plaît. Non, non, ici on vise le carton plein. Bah ouais, on n'est pas là pour faire 50% du taf. Dis-leur qu'elles sont matérialistes. Affirme que le monde irait mieux sans argent et mets-toi à chanter. Waouh. Dis que c'est mignon et plus simple que les vraies matières comme les maths et les sciences. Oh non, maintenant bah ça va être condescendant cette histoire là. Je pense que soit on complimente sur les sujets difficiles. Soit il en vise qu'une seule et on va faire là. C'est moi, je partirais sur la B. Mais moi aussi. Ça se trouve, le jeu vise qu'une seule et c'est la faute. Faut qu'on soit ambitieux. Allez, on est ambitieux. Allez. Après, là, il parle qu'à la meuf de droite. Hein. C'est vrai. Ah. Arf. Study business. No, I don't think so. I think they study Instagram. Oh, right. Maybe, yeah. I don't know. Did you do well at university? On a fait à peu près 80% du job, hein, les gars. Je pense que là, c'est fixé. Hein. C'est bon. Bon, par contre, celle de gauche est un peu mort, mais ouais, c'est mort, celle de gauche. Well done, making the girl feel good with things that are teasy or challenging. And in this case, is something that they've worked on. La meuf à gauche, elle se fait trop chier. Well done. Ah, elle est sur son PC portable, elle voit quoi de crush. La fofolle. C'est toujours un compliment pour les filles un peu niaises. C'est un peu une fofolle. Ouais. Just fofolle. It depends. She can go crazy. And she's the shy one as well. That's cool. Yeah, she is. A little bit. Nice. And who's the one who, like, Laquelle est la plus salope, alors dites-moi. Vraiment, ça, qu'à tout moment, ça peut vriller, quoi. C'est... Je sens qu'il peut craquer à tout moment. Ah ouais, il a vraiment envie de... Ça y est, elle a parlé. Ok, c'est bon. C'est bon, Thomas, c'est ce qui c'est dans dire. La boîte. C'est bon, là je peux sortir ma bite et tout le bordel. C'est bon. Fais le test de meilleur ami. Oula, j'ai pas bien suivi la situation. Demande laquelle est la meneuse. Non, on va pas mettre de conflit là. Regarde la fille qui t'intéresse et dis-lui qu'elle a des yeux magnifiques. Non. Non, mais en fait, le jeu il veut nous diriger sur une seule. Hein. T'es mal, les deux réponses du bas c'est. Moi, du coup, je ferai le test de meilleur ami. Mec, on était parti pour un carton plein. Ça me dégoûte. Est-ce que le jeu nous peut nous donner la possibilité d'embarquer les deux? C'est tout je, pense aussi, que, genre... je pense que le score maximal, c'est ça, tu vois. Le test de meilleur ami, c'est un peu... Je sais pas trop où on se dirige avec ça. Hein. On demande à quelle est la meneuse. Ouais, je vais les mettre un peu en compétition. Hein. C'est toujours bien. Bon, allez, c'est... Je suis pas sûr de... So when it comes to making decisions, like, let's go here tonight, no, let's do that, I think it's you. Pas agréable. Non. Non. C'est mort. Non, arrête d'insister. Non. Ruined. Ruin. Arrête, il va réinsister. Non. Vous partagez. Ah. Ok, c'est game. It's not working. Yeah, I guess this kind of failed, but I read so many books and they always said there's a leader and like 90% of. Elle lui avait vraiment cru que. Attends. Elle disait quelque chose. Elle lui avait tendu une perche de ouf et il est revenu à son histoire de bouquin. Ouais, j'ai pas compris. Mais il a ruiné nos efforts. Un message, voilà. Il a ruiné nos efforts ou pas? When you're talking to two girls, you need to engage both of them. Ouais. This is a nice. Mais quel bouffon. Là, c'était en mode allez, on prend un Uber et à la maison. The leader and this girl, you know, she's trouble, isn't she? And that kind of thing. So you're pour l'instant c'est zéro erreur. Hein, c'est you're kind of cold reading, making an assumption and a guess. Pour l'instant on est sur un sans faute, hein. So sans faute et deux filles quoi. C'est... What were you doing before you came here? We went for dinner. Ah, dinner, nice. Where'd you go? Italian? Or... No, we had some fast food. Yeah, like burgers and fries. Eh bien, j'aimerais pas être dans la même pièce que vous quand vous avez pété. Non, et s'il y a cette proposition, dis-leur ce que tu as fait. Taquine-les en disant que c'est un peu incongru. C'est pas incongru, elles sont allées au fast-food.
Dis que tu ne fais pas attention à ta ligne non plus. Non, ça va les vexer. Oh, la dernière, elle est beauf. Dis-leur que La tu es dernière vegan et que tu réponse. veux les convertir. Non. Dis que dans un sens, c'est mal, mais que c'est aussi bien car elle peut mettre n'importe quoi dans sa bouche. Oh putain. Bon. dis-leur ce que t'as fait. Je pense qu'on va dire ce qu'on a fait. Ouais, on peut parler depuis tout à l'heure, on parle, elle nous Ouais. parle d'elle, ça Il faut semble qu'on pas s'ouvre un elle. peu à elle. Qu'on montre qu'on est quelqu'un de confiance et de normal. I woke up Trop facile like ce I jeu. think 10, I think it was like 12, 10, 10, 12, yeah, just after 10. And I didn't get up immediately, but then I got Elle up s'ennuie. and I went to Mais qu'est-ce the qu'il other fait? room Il dit and n'importe said, let's quoi! go have a Mais play. putain! J'aurais jamais Non dit mais ça, c'est moi, non trop! mais attends, And c'est pas nous, là, qui mais sait sans ce qu'il dit, c'est là. vraiment une merde. That's really cool. You gotta try. So Je you suis watch joué à the World of guy Warcraft, je suis en, stupid. je suis en Yeah, furie. Genre, il avait juste à dire there's pourquoi il était people là. Il running me around on dégoûte. top. And I'm on the last C'est pas level, nous quand on fait une so erreur. I've got Non, like non, non, three là, c'est un memories. Ça compte connard, on pas. va pas choisi And I'm ça, là. trying to get all the trophies in. Oh So non, il parle des trophées, Are they your non! interests? Yeah, but that was just like 2 hours. Then I had some food. Je I t'en was like fous! eating immediately when I wake up, so I just had some Non! food, Je had a souffre. bath, and while I was in the bath, I listened to Oh audiobook, non, la vache, mais non, listened to mais. this Non, mais là, song, c'est which is un called connard, mais c'est un Evolution of connard. Non, alors là, Everything, franchement, really c'est pas notre interesting. faute. C'est une parodie de notre About, réponse. I don't know, everything from science to economics and Elles ont whatever, envie de which is fuir. really cool. And what did I do after that? It was hot today, right? So I Ferme went ta for a walk in the gueule. park, I saw my mom. It's nice, had some Non, mais on dirait un enfant qui dit Yeah, et la piscine et le patron, il y en a tout la le monde dit ta piscine et la maîtresse. mère. Ah, but it was delicious. It's like blueberry cake and then it has a Okay. layer of pistachio Mais and ferme cashew. ta gueule! Non, mais là, Like special il fait Yeah, exprès, both si of ça them. m'énerve. Which one more though? Franchement, Cashew. je vous le Yeah, dis because 100%, c'est pas une pistachio erreur. can be Parce salty Non, c'est pas une erreur, parce c'est que le jeu c'est lui qui a it décidé de works, se the cashew. dire You just Oh, eat mais je vais more. raconter que des trucs de merde. Fallait juste dire, ah bah moi j'étais là pour ça. Voilà. I don't know, I like them raw as well. Pourquoi avoir fait cette scène aussi That's longue? cool, we've got that in common. We C'est typically vraiment si like c'est une nuts, erreur. I like nuts. Yeah. This was an opportunity to do something Quoi? a little bit Ça better. passe? You haven't Ouais, broken ça it with passe, this pas de ouf, choice, mais but ça it's not the best passe. option. C'était nul. Accorde autant d'attention à l'une qu'à l'autre. Bah oui. Dingue, si on veut viser le trophée. Écoutez, c'est une question d'ambition. Pas avoir This les yeux might plus mess gros que things l'autre. up, but it's not the best Quoi? course of action because you do want the girls to understand which one of them you like. So Mais non, mais you tu n'as pas could compris notre work in objectif, Il est con ou Bernardo, quoi là. lui? Tu T'es sais pas con? ce qu'on veut, là. I like to dance. You're a dance? T'es un Oh, I coach play en that séduction dance ou t'es pas un well. coach en séduction? What did you say? I like to dance. Ah, dancing. Yeah, Yeah. nice. Okay. What Yeah. else? And I go to the gym a lot. Alright, cool. And how about you? Oh, I have so many interests. Ça va être compliqué, hein. L'ambiance est vraiment redescendue, hein. Non mais surtout que il me casse les couilles, je veux dire. Il est trop con avec son objectif d'une seule personne là. Bah ouais. Et Demande si lui de j'ai appris à clarifier. jongler, c'est pas pour utiliser qu'une seule balle. Est-ce que si en disant jouer, elle parle de rapport sexuel avec son ch Quoi? dit que avec son chien. Dit que c'est mignon et que les gens avec des animaux de compagnie sont plus attentionnés en général. Dit que tu aimes les combats de chiens. Non. Dis que tu as un poisson. Alors ça c'est un peu la blague, c'est un peu l'humour. Mais est-ce que On ça se... peut tenter. Et je te garantis que si on dit qu'on a un poisson, ça peut, il peut le dire tellement mal que ça va pas être une blague. Que ça va être en mode. Moi j'ai un poisson que j'ai appelé Henri et avec Henri on va se balader. Franchement, il va te faire de la merde. Ça me dégoûte. Je pense que c'est plus B. En vrai Ouais, vas-y, parce que c'est c'est un B. compliment. C'est Vas-y. B, je pense. C'est B. That's interesting actually because I was reading this thing like a what was it in general psychology or something and it said that people with pets and especially dogs and is it a boy or a girl? A A dog. boy. Ah, perfect. It said that people with opposite sex pets who really like them and you said you did it means they're really caring C'est une people excellente étude, generally. ça. So, yeah, it's very interesting On dirait les actually. So horoscopes. it's the kind of idea that Il a you sorti meet une someone banalité. and then if you find out they really like Je animals, suppose que they have tu a pet, détestes it means être that offensé. you can trust them and they're probably a good C'est vraiment ça, quoi. Okay. Cool, hey? Yeah. Ouais, And is it vraiment true cool. about her? Yeah. Mec, on était en train de réussir et depuis 10 minutes, ça se passe très mal. Il est en train de tout nous Whether niquer, you ce love con. animals or not, it doesn't matter. You have to Oui, understand bah that oui, dans she does, le right? jeu nous So dit qu'on est en if train de it's réussir, something mais en vrai, you shouldn't turn into a joke, il a be tout rude ruiné. about, or
you know, contradict, why not say something positive about it? And there's an example that you can use all the time because a lot of girls love dogs or cats. Mais elles ont pas d'eau de QI, les meufs, non plus. She's just talking all the time. Is she always like that? No, I'm joking. She doesn't really say yeah. much. Right? Des blagues qui mettent mal à l'aise, par contre. Sweet. C'est clair. Yeah, sweet. Elle parle pas à ta copine, là. Elle est timide ou quoi? Ouais. C'est clair. Oh, le connard. En tâtant ses muscles. Ou pas encore, je pense. Hein. Mais non. Le truc, c'est demande-leur où elle se voit dans 5 ans. On dirait vraiment un mec, il a rien à dire. Ouais, genre, c'est quoi ces sujets de discussion Tu sais, je regardais une série de documentaires sur des autistes qui font des rendez-vous amoureux entre eux. Et du coup, vu qu'ils savent pas comment se comporter ouais. Avec les autres, ils apprennent des choses. Et du coup, chaque ils fois qu'ils font sujets. Un date, et ben, en fait, ils ont une liste de choses à dire. Et là, ouais. J'ai l'impression que c'est ce que le mec fait. Demande-le où elle se voit dans 5 ans. Genre, ce mec, franchement. Genre, c'est vraiment genre, je parle pour parler. Contact physique quand t'attends ses muscles, faut connaître la meuf quand même. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Jamais ça, mais. C'est un peu tôt. Mais le jeu est capable de le dire, genre, imagine prétexte. Il y a de l'alcool, voilà. Ouais, prétexte. C'est le troisième verre de vin. Fin de soirée. Le mec a dit. T'as de la viande un peu là. Fin de soirée, parce que là, si elle est pas torchée, elle va mal le prendre, je pense. Là, c'est un peu. Ça ouvre un peu les limites là. Vas-y, on. Par pitié, B. Ouais, mais c'est tellement chiant, c'est tellement boring. Non, pas B, vas-y, A. Vas-y, faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Vraiment, là, c'est un risque. Fais-le bien, s'il te plaît. Fais-le genre sans être ouais, sale bouffe. Genre discrètement et tu retires vite ta main. Genre en rigolant, genre. Ah, elle rigole, c'est bien, d'accord. Ça rit. Allez, on rigole. Imagine, il lui empoigne le bras. Ah, t'as ça vu, va, elle est. Ça va. Ça a été elle fait. Est elle est réceptive. Ça a été fait dans les règles de l'art. Non, par contre, arrête de faire le bouffon. Non, non, c'était la goutte d'eau. Là. Il foire toujours quelque chose. Hein. Oh putain. Bon, on vous avait dit le chat. Hein. Vous êtes. Chat, c'était à bébé alors qu'on a juste les ennuyés. C'est clair. On est au max. Vous avez l'air d'être flasque, vous devriez faire du sport. J'ai cru qu'il avait dit ça au début. Vous devriez faire du jogging. Oh yeah? That's great. What else? Anything else? I used to play basketball. Oh, l'interrogatoire. Yeah, it was a long time ago. That's cool as well. Yeah. You watch the NBA or you don't watch it? I used to, yeah, I was crazy about it. Après, elle pose pas beaucoup de questions, elle non plus. Hein. Mais non, depuis tout à l'heure, elles s'en ont rien à foutre. C'est pour ça que c'est un interrogatoire. C'est parce qu'en fait, elles sont pas du tout intéressées. Si elles posent pas de questions, genre, c'est chelou. Utilise la technique du champ de fraise. Attends, mais c'est pas juste, on sait pas ce que c'est. Alors, je suis sur Google. Technique. C'est quoi le champ de fraise? Du champ de fraise. Le test du champ de fraise a la particularité d'émisser dans la conversation autant du mot que tout entendu. Quoi? Attends, c'est vraiment sur une page de séduction. Tu aimes le billard, ça veut dire que tu dois bien aimer la queue et les boules. Putain, mais c'est des mises en situation, genre c'est trop compliqué, dites-le moi en une phrase. C'est champ de fraise? Oh, c'est trop long. J'ai vu que tu avais mangé au fast-food, c'est-à-dire que tu dois vouloir me bouffer la viande. Ça doit être un truc du genre, ouais. Je ne comprends pas. Vous dites que c'est bien les fraises? Bon, vas-y, on ouais, fait écoute, les fraises. On va savoir ce que c'est que le champ de fraises. C'est parti. On va peut-être apprendre quelque chose, Damien. Ça a l'air d'être une excellente technique. Moi, je recoucherai moins bête ce soir. Have you done this one called Strawberry Field? Psychology test? No. Okay, try this right now with me, both of you, okay? So, maybe close your eyes, it will help. So close your eyes. Voilà, et là je vais mettre quelque chose en vert. Fermez vos yeux. And then up ahead, you see a field of strawberries. Ne faites pas attention au côté effervescent de vos verres de vin blanc. Votre vin blanc est devenu pétillant, ne faites pas attention. Okay, nice one. All right, that's enough. Non, vous êtes dans ce champ, vous avez très soif. Vite, on boit son verre, vite. So you go in there and you want to eat some strawberries. How many strawberries do you eat?
What's your answer? I will eat as many as I can. Okay. Anya, how about you? Me too. Loads of strawberries. Yeah, okay. Strawberries. Mm-hmm. Ah, but then you've eaten all the strawberries. Et là, tu as la diarrhée car tu as trop mangé de fièvre. Dis, qu'est-ce que tu fais? You ate all my strawberries. And then what do you say back to him? I would just say I'm sorry. What would you say? I'm hungry. I was hungry. Ça va où ce test? Okay. All right, you can open your eyes. Okay. Okay. Buvez vos so verres. So, I'm going to tell you what it is. Very interesting. So, the first one, how high the fence is, that's your barrier to sex. Yeah? Like how open you are, because strawberries represent passion and stuff okay. for a woman. So, yours was kind oh la vache, la psychologie de comptoir. Oh, really merde. High. Like a huge fence. So, it means, you know, you're quite difficult to have sex with, basically. But anyway, you don't have to answer if that's true or not. But then the number of strawberries you eat is your sexual appetite. Qu'est-ce que tu racontes? So some girls maybe say, oh, let's have like half a strawberry. And then just like, like sex. And then go have a few oh strawberries. Merde. But you, yeah. What did you say? You ate every strawberry in the world or something? Yeah, like, okay. All I wanted. Okay, and then ne faites pas la technique du champ de fraises, s'il vous plaît, le chat. Voilà, voilà. Oubliez désormais... le champ de fraises. Pardon, on sait désormais ce que c'est. C'est nul. Oubliez le feed of strawberries. On annule. Bof. I think that was dead on. Psychological test win. Wow. Interesting. Now, if you can be bothered to learn this, it actually is another thing that works. Again, it's prepared. So it's not ideal. We don't want you to just ouais, c'est learn pas a bunch idéal. Of tiens, t'as vu, c'est ce que tu disais, plein de trucs par cœur et que t'as les répéter. Bah, c'est exactement ce que t'es en train de faire. Situation, you know, a date that's not going so well, talking to a girl and you think she's not that into you, why not have it ready? You know, it's quite interesting. And you can always just say it's a psychology test that you saw online, right? So what did you guys do? What about you, Anya? I have a fashion store. Oh, yeah, selling clothes? Yeah. Nice. I don't work at the moment. Unemployed. Yeah. Oh, fais-lui une grosse remarque bien nulle sur le alors chômage. Là... Et ben, t'es mis d'engager son équipe. Essaye de la mettre avec ton ami Karim qui pourrait être son sugar daddy. Quoi, j'ai cru que tu disais un truc, que t'improvisais non, un truc. Non, non, oh, c'est vraiment ça. Dis que c'est super qu'elle ne travaille pas et que tu es jaloux. Difficile d'engager son ami pour qu'elle lui fasse des... Alors là, j'hésite. Mais là, tu peux pas créer clairement une friction entre les deux. Bah ouais, ce genre de parce réflexion. Que tu mets... Ça se trouve, c'est un sujet tendu, ou ça se trouve, ouais. Elles en ont déjà parlé, ou tu... Genre, c'est un peu entreprenant de dire, bon, recrute-la. Genre, j'aurais dit B, mais ça se trouve, elle va ah se dire... Non, c'est malvenu, elle va se braquer, ouais. Elle prend si mal. Elle, si elle trouve que tu, le chômage, tu trouves ça cool, alors qu'elle, c'est un sujet sensible, t'es dans la merde. C'est clairement moi, C. Moi, je dirais ouais, le... Moi je dirais le A. Je dirais le A, en mais vrai, c'est un peu déplacé aussi quand même. Bah ouais, mais c'est pas nous, ça, c'est pas nous qui allons chercher la merde, c'est en ouais. fait que ça va se faire. Well, Anya, why don't you just hire her? She can work for you. Like, can you sew and do all this stuff? Like in the Nike sweatshop. Non, mais alors. Par contre, ça a glissé, mec. I don't think so. About selling stuff, cleaning well, the shop. Yeah, I can do that. Non, mais, yeah. Là, non, mais, non, mais là, y a pas d'estime là. Non. Why not? No, she's useless. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Vas-y doucement quand même. Ouais, je plaisantais, ouais. Ouais, bof. L'ami Karim, à mon avis, sous garde à vie, c'était mieux. Bon. Oh, les questions nulles! Alcohol, got that's, you. That's not a bad habit. Cheers. No, no cheers. Your liver's very happy with that. That's alright. Oh, les petites remarques. Gauche a l'air d'être complètement alien. Genre, elle ne participe pas, elle n'est non, pas ici. C'est genre... Encore ici, mais l'esprit est ailleurs. Elle essaie de penser à son texte, ça ne fonctionne pas. Demande à la fille qui te plaît. Non. Demande-lui si elle baise après quelques verres. Demande laquelle des filles est la plus cochonne. On peut prendre un risque, mais on c'est peut, chaud. Celui-là, je suis prêt à le prendre. Franchement, vas-y, on prend ce risque, on saute une marche. Attends, c'est parti. Tu vois, regarde la tête de la blonde, là, et imagine lui demander la réponse B. Let's go! Oh putain!
I'm just wondering. Non mais la mène pas trop comme ça. Like you're more blonde, but then you've got the short dress, so oh putain. Oh non mais vas-y, non mais c'est cru. Mais putain, mais pourquoi il le demande comme ça? Pourquoi? Oh non, mais non, mais non, mais c'est un troller. C'est un troller. C'est pas du tout ce que j'avais en tête. No, I will, but look, this is hypothetical. Let's just say I wanted to have sex with a girl, quel troller. And take her home. Like, which one of you would be more... None. You, right? No. Yeah, that, look the way at you... No, she's me. No means yes, I think, with no, you. No, 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 and you should go. C'était le dernier clou du cercueil. Yeah. Paf. Non mais c'est un énorme détraqué. C'est un bouffon, c'est un détraqué. Encore une fois, il a interprété notre réponse. What? I've got it. Lesbians. Bingo. 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 Yeah, so bye bye. Bye. Quel loser. Vous voulez pas baiser avec moi, donc vous êtes des lesbiennes. Quel tocard. Ask about different qualities, but not really when it comes down to sluttiness, especially with girls that you've just met. They're actually very sweet. Non mais c'est un bouffon. Oui, bon bah voilà. Dommage. Et donc on est obligé de choisir une fille. C'est Rigged. Bon, le jeu est d'en avoir qu'une. Le jeu est Rigged de ouf. C'est Rigged de ouf. Si c'est une gentille fille, mais c'est quoi ça en plus? Est-ce que t'es une gentille fille? Ah, t'es une gentille fille, toi. Oh, c'est terrible. So Anya, I don't know why, but I trust you. You seem very honest. So tell me, is she a good girl? Yeah, she's a nice girl and very intelligent. Ah. Oh, thank you. She's nice, yeah, that's sweet. Yeah, she's a good friend. Friend. Right. Instead of directly saying, you know, I like you, a nice way to do it is to bring the friend in. C'était nul. And ask questions about the girl you like. I've seen this work all over the world. Ouais, c'est une technique excellente, ça. Ouais. Et toi, la moche, ta pote, elle est bien ou pas? C'est vraiment horrible. I want to tell you, she has a boyfriend. She has a boyfriend. Ouh, alerte rouge. Oh, elle s'en branle. On dirait. Demande-lui pourquoi elle te parle dans ce cas. Demande-lui s'il a l'intention de l'épouser. Demande-lui s'il la satisfait. Il dit qu'elle doit s'ennuyer avec lui et que tu peux coucher avec elle deux fois par semaine. Oula. Dis qu'une fille ne se prend jamais trop de... Oh putain. Wouah. 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 Ok. Non, elle a l'intention de l'épouser. Une blague. C'est une bonne blague. Non, non. Super. Parce blague. En fait, tu vois... Non. Elle peut embrayer sur... En ce moment, c'est vrai qu'on s'entend pas trop, etc. Et là, il y a une ouverture. Peut-être bien. Allez. You got a boyfriend? Yeah. Oh, how long you been together? For like a year. Oh, that's so sweet. So you're gonna get married? I don't think so. I don't oh, know. Oh no, that's really bad. So why? What's wrong with him? Quel dommage! Just have something. Yeah, oh, bien joué ça. Je suis trop fort. Ouais, bien joué. Ouais. Joel Bezos. I'm sure you still have some nice things in the relationship. Comme ça qu'on t'appelle dans les bars. 100%. Excellent. Tu as cassé son couple en une phrase. Tu as dit mariage. Nice. They're not so serious. Why not keep in touch with the girl, keep her around, and who knows, one day when she's single. Putain, quand il bégaye, il refait même pas ses prises. Bah, non, je pense que les filles à côté de lui, elles sont payées à la minute et du coup, il a pas le temps de refaire ouais, les prises. Ouais, hop, hop, hop. Demande-lui si ça le dérangerait que vous parliez. Va-t'en qu'elle a un petit ami. Non. Demande-lui si elle pense que tu pourrais le tabasser. Waouh. C'est hyper masculin. C'est hyper beauf, ouais. C'est très beauf. Ouais. Ah, franchement, vas-y, tu sais quoi, SM bravait les interdits. Demande-lui la A. Ah. Ouais. Genre, par défiance. Dude. Déjà de base, une meuf qui est en couple et qui parle aussi longtemps avec un mec qui vient de déborder comme ça, ouais. C'est que ça va pas du tout. Donc on est plus à ça près. Plutôt cool le mec, donc il s'en branle quoi. Allez. Eh oui, son mec est un gros simp, vous pourrez lui casser la gueule s'il débarque dans le bar. Nickel, vous prenez vos précautions.
So she's going to want to say, of course I'm allowed, I do what I like, and you know, our relationship's fine, we don't, you know, I'm allowed to talk to other men. She's not going to want to say, actually, I'm not allowed. Ouais, franchement, mais moi je le prendrais pas bien. Because he controls me and tells me exactly what to do. So it's the right option. Essaie de savoir quels sont leurs projets d'avenir. Putain, attends, ouais. Il en est parti sur le sujet de discussion avec son mec, là, ça y est, c'est parti, là. Demande-leur si elles se sont déjà embrassées et essaie de les pousser à le faire. Non. Non. Did you make any plans for later? You can go carry on the night. No, ah, eux deux, je crois qu'ils parlaient de son mec et elle, putain. Moi aussi, je croyais qu'ils parlaient de son mec et elle. Bah ouais. Je me suis dit, c'est un peu lourdingue de continuer à parler de ça. Bah ouf, ouais. Ok, cool. Et il est comment, ton mec? I don't really need to do anything, so I can stay out, sleeping. Yeah, you can. We need to get catch up some beauty sleep. I don't need it. Elles viennent de dire qu'elles voulaient aller dormir, là. Exactly. This is an important step. You're finding out important logistics that will tell you how easy it is gonna be later in the evening to take one or both of the girls. Donc les deux sont possibles. Ah ouais, il a dit quoi? Je sais pas. Il a dit que il a parlé de une ou les deux. Ah. Faire une sortie tous ensemble et prendre son numéro. C'est-à-dire le numéro des deux. C'est un peu greedy, non? C'est trop tôt. Propose la sortie. La sortie, c'est plus facile. De toute façon, elle font rien là. Ouais. Elle se laisse aborder sans te recaler. Ouais. But listen, look, to be honest, I think you're really great girls. Thanks. You seem like really good girls and you're nice to talk to and stuff. So we should definitely do something sometime. We could play squash all together. Non, mais non, mais pas ce genre de choses. On pourrait faire du squash. Quoi? C'est hyper spécifique. On pourrait faire de la marche rapide. We can arrange something like to meet all together. Yeah, sure. Maybe watch movie or something. Yeah, movies are good. Here you go. Ouais, du coup, pas de squash. D'accord. Bon. Now, if there are a couple of girls, why not take their number and suggest just meeting up again? Why do you have to be so fast and choose which one you want or, you know, try to get that one on a date? They're together right there. Maybe you suggest that you guys can all go hang out again. Maybe you're going to bring your friend. And you can take it a little bit slower, bring these girls into your social circle, and in the end, it probably would work out better in a lot of cases. Okay, well, it's great speaking to you. I'll leave you guys to it. Okay. Have a nice time for the rest of the night. Mais c'est vraiment, les coachs en séduction et tout, on t'apprend juste à être un prédateur. Là, de ouf, c'est terrible. C'est un truc de sorgue comme c'est genre banalisé. Hop là, prends son numéro là. Prends son putain de numéro là, je te dis. Ouais, tu vois, ça c'est un bout de viande. Tu vas le séduire ce bout de viande pour le baiser, t'as compris? C'est vraiment horrible. Choix correct 80%, mais c'est sa faute. C'est sa faute. Hein. On aurait parce le que. Ouais, clairement, il y a un truc, il a trollé de ouf. Quel tocard. Bon, à partir de maintenant qu'on vous a prouvé que on était des dieux, hein, incroyable. On va mettre les réponses de merde. Allez hop, la piste de danse. Putain, faut les faire un par un. Quel enfer. C'est la plus belle fille de la boîte, mais elle est sur la piste de danse et le volume de la musique est élevé. Tu ne sais pas bien danser, mais as-tu les capacités de séduction nécessaires pour la conquérir? Pouah. But? La ramener chez toi. C'était quoi le but avant? Bonne question. Avoir un rendez-vous instantané. Raté. Obtenir son numéro. Ah ouais, donc là, gagner. On est vraiment sur du. On est plus sur du concret, là. C'est vraiment. Là, c'est l'armée, à la maison, quoi. Et sans parler, quoi. Genre, vraiment, c'est juste. Faut faire du langage des signes. Ça va être trop gênant, il va lui gueuler dans l'oreille des trucs malsains. Il va se coller à elle et tout, ça va être horrible. Tu danses vraiment bien! Ça va être terrible. C'est toi qui pue de la chatte comme ça? Putain. Non mais c'est, je sais que ça va être des trucs aussi nuls que ça, c'est horrible. À chaque fois, il y a un choix qui me surprend plus que l'autre. Et depuis qu'on fume plus dans les boîtes, ça sent la sueur, tu trouves pas? Oh, la gueule qu'il a, en plus, on dirait un chevalier bizarre, là. Approche en faisant un twerk. Waouh. Oh, t'as l'impression ce que tu devrais offrir à ta petite sœur. Non, c'est pas le moment. Ah, ils essaient de nous bait avec la technique qu'ils nous ont apprise alors que c'est pas du tout le contexte dans lequel le faire. Un coup de hanche. Moi, ce serait le contact verbal. Le contact non verbal, tu vois. C'est ça. On peut aussi faire. Moi, je veux le voir twerker. Mais twerkons un coup. Faut juste le voir twerker jamais. Un petit coup. Elle va s'éloigner.
C'est pas du twerk là. C'est un mauvais twerk. Et en plus, c'est un mauvais twerk. Un chien qui se croit au cul. Oh non, on va avoir une séquence explicative sur pas de twerk. Il ne faut pas twerker sur les dames. Effectivement. Oh, la boîte un peu vide. Oh, ouais, elle est vraiment très vide. Hein. Très très vide cette boîte. Et pense maintenant au fait que quand ils dansaient, les acteurs n'avaient pas de musique. Monsieur, on n'a pas besoin de vos explications positives ou négatives à chaque fois. Attendez-vous de draguer. Je sais qui me fait penser à ce mec dans Striptease là avec ses longs cheveux. Lequel? Le réalisateur qui va au festival de Cannes. Le réalisateur qui a 20 ans là. Oui. Il me fait penser à lui dans sa dégaine là. Présente-toi rapidement et continue à danser. Demande-lui si elle veut voir quelque chose. Lance un concours de danse. Non. On est sur Fortnite là. Demande-lui à qui elle est venue. Voir quelque chose. Ouais. Ah ouais, mais attends, mais y a pas. Attends, j'aurais préféré faire une danse Fortnite. Hey, you want a drink? Ouais, on aurait pu, c'est vrai, faire le concours de danse. Allez, viens, on va boire là. Elle est pas partie. Ok. C'est vrai que tu veux boire. Tiens, c'est ton verre. Attends, retourne-toi deux secondes. C'est bon, tu peux boire. On va pouvoir faire un concours de danse. Mais non. Je ferai jamais ça. Mais de non. Toute ma vie. Mais non, bah, j'oublie ce conseil. Non. Quoi? Oh, il me gêne. Il me gêne, bordel. Un jour c'est passé quoi. C'est passé, mais pas. Oh, dur. Bah, le chat, vous retenez ça, hein, tout ça. Les concours de danse, tout ça. Bon, c'est pour vous qu'on fait tout ça. Approche-toi d'elle en dansant, éloigne-toi en faisant un moonwalk. Alors, on a vu son twerk, on veut voir son moonwalk. Et bah, ciao. Bah, ouais. Bon, on va s'approcher, hein. On s'approche. Bah, oui. Mais là, on sait pas si l'alcool rentre en jeu, parce que ça change complètement ouais, tout. Hein. Ça change tout, là, parce que pour l'instant, c'est que notre danse n'est pas très, pas très impressionnante. Ce genre de truc, là, j'estime que c'est avec plus de 3 verres qu'on le fait, là, déjà. Oh, et puis, il danse pas vraiment, là. Il bouge. Ouais, ici, un truc... on dirait moins en boîte, quoi. Propose-lui d'aller chercher à boire. Tu peux nous chercher un verre, s'il te plaît? Voilà, merci. J'ai soif. Demande-lui si elle veut s'asseoir car danser avec les talons doit être fatigant. Essaie de l'embrasser. Allez, ça fait longtemps. Bah, on va te dire qu'il y a eu 4 verres maintenant. Hein, qu'il y a 4 verres et vas-y. Allez, ça fait longtemps, on y va. Elle a appelé la police. Oh non, en plus, fait. Cause, il est trop con. Il n'y a pas eu de transition du tout. C'était quoi le rapport avec la musique? Ouais, aucun rapport. You normally go through all of the steps, just fast. And smooth. Ok, on peut faire ça. Ouais, mais la parenthèse sur les talons, il pouvait juste dire de proposer de s'asseoir quoi. Ouais, proposer d'aller chercher à boire. Est-ce que maintenant c'est ok? C'est serviable. Mais bon. Vas-y. Je suis pas sûr. I'm thirsty, let's go get a drink. Yeah, sure. Perfect, because you're always waiting for the time on the dance floor to get off. Je souffre pour les meufs, hein. Les deux meufs. Toutes en fait, je souffre pour toutes. Ça devait être long parce que tu faisais toutes les prises d'explications qu'il a fallu faire. Un LSD. Ah, c'est le bon, hein. J'ai vraiment trouvé un sacré BG là. Allez, on va lui dire, c'est... Quoi, tu fumes? C'est dégueulasse.
Attends, la D, c'est dis-lui que tu préfères les drogues dures. Oh, let's go! Let's go! So you smoke and that's cool, yeah, but lots of Mais people as-tu smoke, déjà but entendu tell parler me de l'héroïne? about, you know, like the harder stuff. What do you mean? Il va sortir un Well, sachet all de the 10 grammes de coke. J'espère qu'il en a pills, sur lui là. all of that. That's not my thing. No? Non, No. tu veux pas You essayer gotta là? try it, babe. Like, imagine this. Come to my house, have some coke, get some, you know, good vibes going, pull out with a couple E's. Have you ever had sex on Allez! ecstasy or magic No. mushrooms? No. You gotta try it. We need more days together than this. Wait, have you tried LSD? No. Putain, il a fait Il veut le faire catalogue. l'inventaire. You're doing Saturday, Sunday and Monday. Because I want to book you for 3 days. You're gonna love it. You're gonna pay me No, three no, no, times. no, not pay you. I mean book you, like book your calendar for 3 days. Cette No. scène est trop longue, elle ne marche pas depuis 30 secondes. We've got a connection. And when you have drugs, when you have this kind of connection, mind-blowing sex, just trust me, it will be I the think best it should 3 days be of real. your life. That's not a real connection. That's not a thing. Putain, elle est pas encore partie, c'est pas comme dans la vraie vie. Ouais, c'est bizarre. Ça se trouve, c'est en train de marcher. Elle est en train de se dire, il est trop intéressant. Alors, je vais rester quand même un peu. J'ai envie de partir, mais il est tellement beau. Il est trop lourd. Oh, non, mais... Il est si lourd. Non, mais c'est un camé en fait là. Oh, faut le ban. Ouais. Ouais. Mérité. Winners don't do drugs. Apart from the Olympians that get busted for steroids and stuff. But Oh, general, les petites blagues. Ah ouais, non, celle-là, tu pouvais l'éviter. Énorme. Unless they're legal, where you live. Or if you go to Amsterdam. Or... La ferme. Don't do drugs. La ferme. Ouais. Dis-lui que c'est une mauvaise habitude et qu'elle devrait arrêter. Pas de jugement. Dis-lui que ce n'est pas un problème, même si tu ne fumes pas. Dis-lui que tu n'aimes pas fumer, mais qu'elle est libre de faire ses choix. Non, bah la B, tranquille. C'est oubé, hein, en vrai. Parce que c'est, ça fait trop, genre, tu es une femme forte, libre et indépendante. Ouais, bah, je pense que les deux fonctionnent, je sais pas quelle est la meilleure. Tu vois, juste, c'est fait juste, ouais, je fume pas, mais c'est m'en fous. Ah non, mais là, par mais il contre, est bizarre! C'est un cœur jaune, hein. Ah. Ouais, c'est un cœur jaune, j'ai vu le cœur jaune. Don't lie. Guys that just say me too all the time or say, oh, that's okay. No, not the strongest guys, Ah, not tu the vois? most attractive guys. So try not to do On est des merdes. And so you smoke, but do you have any other Il y a des meufs dans le chat là that... qui peuvent nous dire que tout ça, c'est tous ces conseils sont 100% corrects et que c'est. Ouais, s'il vous plaît. Confirmez-nous que ce mec est un dieu de la séduction, quoi. No. What is it? What's the word for the people that have to steal things? Like there's a technical. Il a pas une très bonne cote auprès des meufs du chat. Non, là, visiblement, ça ne marcherait pas avec les femmes du chat. Non, c'est pas validé là. Est-ce que j'ai des mauvaises habitudes? J'aime bien faire souffrir les gens. Nice. Je suis un détraqué en gros, je t'explique. Attends, j'ai envie de voir quand même ce que ça Je sors de l'HP. I mean, I don't think it's bad, but it could sound a little extreme. But I like to inflict pain on people. I like Ok. To, you know, when someone does something bad to me or to someone else, then I like to just. Le chat en fureur. That's actually bad people. No. So it's good in a way. No. So maybe it's a good habit. No, I don't think so. Well, you'll see. I mean, spend more time with me. Ouais, faut y aller là, il est dangereux. No. Cours, no. cours. Les gens comme ça. Faut pas rester. Are you sure you want to do that and make an enemy of me? Oh, il l'a menacé à la fin. She's in trouble now, isn't she? But really, in reality. Man should never use his superior strength or whatever to intimidate a girl. Violence has no place. And... Putain, je peux les skip. Réponds avec honnêteté, il faut être honnête. Super. I don't think I have anything too bad, but it depends what you think. So I don't know, like sometimes I might smoke weed,
haven't tried like super hard drugs, but a couple drugs. And aside from that, I don't know, sometimes I can be really harsh with people, a little bit impatient. Impatient. Okay. No, I'm sure I have some bad ones, but nothing super bad. And definitely nothing like you know, a habit that really annoys me. Il est trop intéressant. Je commence à être séduit, quoi. In this case, you want to have some honesty and, you know, sometimes the honesty can be shocking, surprising. Dans un bonus, un blooper. Likely to go up. Tell me, do you have any good habits or like healthy habits? Oh, pitié. Yeah, I dance a lot. Yeah. I like to go hiking. I take my dog and we hike in the mountains a lot. Oh yeah. It's great. And let me see. Yoga? Do you have a dream of like climbing Everest or Kilimanjaro or something like this? No, it's too cold. Too cold. I like to be warm. But I have some friends that climb Kilimanjaro and they just go faire la technique du champ de fraise. Ah ouais, ça marchera de ouf. They got to the top by sunset or they had help. Nightfall. Yeah, of course, they're guys carry. C'est chiant parce que t'es dans un champ de bites. Tu prends combien de bites? C'est chiant parce que là, en fait, du coup, on a arrêté de danser. Du coup, c'est comme la scène d'avant, en fait. On s'en bat les couilles. Ouais. Genre, c'est pareil, il fait une discussion nulle et on va faire les mêmes trucs. J'aimerais d'autres contextes, plus de défis. Ouais, genre là, vas-y, on va passer les trucs et on va rusher cette merde. Demande-lui ce que tu peux faire pour être plus viril. What the fuck? Dis que tu ne vois pas de quoi elle parle et que tu vas tout le temps à la salle de sport. Dis que tu attires déjà trop l'attention comme ça. Ouais, super. Dis-lui qu'elle n'a pas non plus l'air d'aller à la salle de sport. Oh, vas-y, dis-lui ça. Ah ouais, vite fait, la petite pique. Grosse pique. Oh non, on se tape un cœur jaune. Elle est vraiment sympa. Ah, pas trop mal le prendre. Putain, elle est sympa. Ah, le look, le fameux look détendu. Ouais, ça pourrait être pire, mais t'es vraiment une merde, par contre. Alors, hop. Ok, mais c'est comme l'autre, on essaie de voir ce qu'elle fait, voilà. Il est évident qu'elle enseigne à des stripteaseuses. Oh putain. Sérieux, quoi. Allez, on y va. You were studying dance, and now you've got a dance school, and you have everything to do with dance. So, let me guess, is it like a stripper? Ah, quand c'est cœur jaune, les meufs dans le lit sont habillées. Ah bon? Ah! J'ai même pas remarqué, pour te dire, j'avais pas remarqué. Ne regarde pas. Oui, je m'en bats les couilles, j'avais pas remarqué ça. No, but it's like a business, right? How would you make more money? Come on, who do you teach if not strippers? Donc c'est vraiment beau, au point de dire, plus tu réponds bien, plus elles sont dénudées. Bon, de toute façon, là, il est complètement en train de perdre le... Voilà, les strip-tous, ça n'a pas marché, on le savait. Alors, pose plus de questions pour en apprendre davantage. Cherche-toi de ce point-là et complimente-la. Voilà. You know what, I really like that, because it's something entrepreneurial and it's something where you're entrepreneur. Really doing something you're passionate about. Yeah, j'adore les entrepreneurs. This is undoubtedly voilà. A cool thing. About elles ont enlevé leurs vêtements. You definitely need to et voilà. And compliment it because she's gonna have a lot to say, a lot of la symbolique de ces scènes où elles enlèvent leurs vêtements parce qu'il a bien parlé, c'est terrible. Tu vois ce qui s'est passé vu que je l'ai bien dragué. Regarde les conséquences de ma séduction. Regarde, deux dans mon lit, à poil. Interroge-la sur le concept. Dis que tu n'aimes pas trop. Bah oui, en fait. Ah ouais, oh, vas-y. C'est quoi, faut être méchant là. Ah, j'aime pas. That's okay. It's not really my thing, but I mean, some people... Oh non, encore un cœur jaune. On est en train de ruiner. Moi, à chaque fois, je vois un cœur rouge. Il est détraqué, il lui parle de tatouage de prison parce qu'il lui a montré un petit tatouage sur son bras. Elle lui montre une colombe, il dit ouais, c'est un tatouage de prison, on a fait de la tôle. Mais pourquoi elle reste? C'est le pire date. Ah oui, elles sont tout à fait habillées. Hein. Alors là. Ouais. Bon, j'ai pas le contexte. Tu es homophobe. C'est pas cool. Ah, elle lui a... tu crois qu'elle lui a dit qu'il était gay? J'ai les moyens. Quelle lose. Demande-lui ce que tu dois changer dans ton apparence pour avoir l'air moins gay. Ah, elle a dit qu'on avait l'air gay. J'ai pas vu ce truc-là. C'est drôle. Dis qu'elle t'a démasqué, que tu es super gay en la touchant. Vas-y, joue le faux gay pour pouvoir être tactile. Oh, c'est terrible. Je suis très gay.
certain feelings of, you can just see, like, I'm touching you, you're but it doesn't gay. Mean anything because I'm gay, right? Mm. Yes, yeah. Yeah. Quelle chaîne. It's cool. It's cool. Very gay. Bon, bah, je vais y aller. You feel it, right? That's why there's no chemistry. None. Mm-hmm. Quoi? Ça a marché? Mais n'importe quoi! Donc là, il vient de dire qu'il était gay et le date continue normalement et on va la ramener chez nous! Et en plus, après, il a dit ça marche, ça fonctionne comme truc. Il est trop con. Ou alors, c'est la technique du je suis gay, mais toi, tu me fais douter et j'ai envie de faire ma première fois avec toi. Quel bullshit! Yeah, so I try not to. But you know what? The good thing, we've met, right? Not long ago, but we're not too drunk. We've managed to find this quiet place for a conversation. Sure. So it's maybe, we shouldn't categorize it as the usual awful club thing, right? Yep, that's safe. Mm-hmm. Tu veux faire progresser les choses. Passe ta main dans ses cheveux et dis-lui qu'il a de jolies oreilles. C'est bizarre comme compliment. Tu as de jolies oreilles. C'est trop précis. J'adore tes lobes d'oreilles. Est-ce que je peux être bédoué dans tes oreilles, là, comme ça? Regarde sa bouche quand elle parle. Dis-lui qu'elle t'excite vraiment, que tu veux l'embrasser, mets-lui la main aux fesses. Bon, bah la main au cul, on y va. Allez, hop, et là, hey, non, franchement, si elle se lève pas et qu'elle nous met pas une claque, c'est quand même la meuf la plus sympa du monde, quoi. C'est mais pas possible. Si jamais dit quelque chose, on lui dit « Hey, oublie pas que je suis super gay. I'm so gay. Whoa, excuse me? What, you think that's funny? You think that's funny to grab girls' ass? No, I won't push off this arm and then tell me how you'll grab my ass. Let me go, what the fuck is wrong with you fucking crazy bitch? And you're fucking rude. Psycho. Asshole. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas tout à fait marché. Regarde sa bouche quand elle parle. Non, non, tu lui dis que t'es gêne. Tu m'excites et je veux vraiment t'embrasser. Allez, tu y vas, mon fils. Ça, c'est un cœur jaune. Hein. C'est potentiellement un cœur jaune. C'est, hein. c'est un cœur en diamant, ça, mon pote. C'est un jeu de détraqué. Hein. C'est... Mais... Quoi? Par contre, qu'on me fasse pas croire que des fois, Ed Cash, il y a des trucs qui marchent comme ça. Hein. Okay. I'm finding it really hard to concentrate actually in talking to you because you're just really sexy. And I'd just like to give you a kiss. Oh, thank you, but No. Je peux t'embrasser la chatte. Non mais vraiment, ça c'est un cœur jaune. Thank you. It's not a bad thing. No. J'en peux plus. Realizing that stuff sounds okay in theory, but in practice, it puts too much pressure on the girl to decide in that moment. And if she did agree in that moment to your advances, you know, it's a rare situation where that happens. So I actually didn't ask, but what did you study in school? Well, to be honest, I didn't go to university, but it's just because I didn't really like school when I was young. I was intelligent, but I was. Oh, on est reparti sur une discussion. Les autres me traitaient de moche. Il a raté. Tu vois, c'est les coachs en séduction, je les soupçonne d'avoir cette enfance-là. Non, mais vraiment, genre, t'es avec une meuf, tu veux te donner ta meilleure image. Je lui dis, quand j'étais petit, on me traitait de moche et tout. On m'appelait Bouboule. Vraiment, c'est pas bon. La plus belle fille que j'ai vue. Waouh. Dis-lui, tu l'as pas encore vu la meilleure. Franchement, si c'est cœur jaune, je me. Dis-lui, les autres se moquaient de moi à l'école à cause de mon énorme pénis. Ils m'appelaient le bras d'enfant, l'anaconda. Elle va partir. What? Il est malade, putain. Cet énorme trick. Mais monsieur, vous avez vous mettre des lunettes à la fin, vous êtes en train de traquer. Cet énorme trick. C'est dur. Un compliment. Dis-moi quelque chose que j'ignore sur un petit jeu. Ouais, mais ils vont encore parler pour rien, ils me saoulent. Ça, c'est horrible comme réponse. Là, elle va juste dire merci.
voir ce qu'elle dit. Obviously, like that's like saying the floor is down and the ceiling's up, you know. But thanks, I guess. Yeah. What? After you get a compliment, ah, il s'est complètement vanté en fait. J'avais pas compris la réponse non plus, en fait. J'avais pas compris comme ça. C'était hyper désagréable. Bon, elle viendra jamais chez nous, hein, je te le dis. Propose-lui de partir tout de suite et d'aller chez toi, ça marchera pas. Devant lui, je l'ai fait l'amour dans le placard d'une boîte. Dans le placard? Le placard d'une boîte, c'est un lieu t'as connu. T'as pas les shots, c'est même pas un truc, c'est un placard. Détends l'atmosphère et parle à nouveau de sujets sans intérêt. Non, flemme. Dites-lui, j'arrive à péter sur commande. Devant lui, si elle fréquente quelqu'un. Allez. By the way, I appreciate you that asked earlier, but are you seeing anyone at the moment? Or? Yeah, we should have talked about that, I guess. Yeah. Why? Got something to tell me? No, I'm not seeing anyone. That's good. I am actually. I'm married. Really? No, I'm joking. No, I'm single as well. Oh, cool. Good. Okay, that's great. Yeah. I hope so. You didn't need to ask her that, did you? You know, much better to. Keep it unspoken and assume bah, tu l'as fait au dernier date. Tu l'as dit et ça c'est très bien passé. Et t'as dit que c'était des super techniques pour machin. Monsieur, vous vous contradisez. N'importe quoi, lui. Dis que tu connais un endroit avec de la bonne musique et du bon vin chez toi. Demande-lui si elle veut aller chez toi. Propose-lui un after chez toi. Dis-lui que tes amis viennent et qu'elle peut inviter les siens. Pire bail. Imagine, il ment le mec. Il a pas d'amis. Il y a pas d'amis qui viennent. Bon, faut pas aller directement viens chez moi, faut trouver un prétexte. Bah, le meilleur prétexte pour moi, ce serait bonne musique, bon vin. Ouais, genre, c'est un peu une blague, non? On vient faire une blague là. I don't know what you think about this place, but the music's kind of yeah, whatever. Not so good. And drinks not so good either, but right. I know somewhere with really good music and nice drinks as well. Maybe not come with you tonight. Voilà. De toute façon, on a trop foiré. Elle en a plus rien à foutre. Okay, cool. I'll probably get going soon anyway, but give me my phone. On a eu des réponses qui étaient osées pour l'expérience du chat. Voilà, c'était pour vous faire rigoler, sinon elle serait déjà chez nous et on serait mariés et tout le bordel. Retry, oh, jamais, là, c'était trop chiant. Non, c'est long. Hein. Nous, on veut des nouvelles situations. À la piscine, tout ça. Je veux vraiment des situations incongrues. Ouais, je veux voir des trucs... Fille assise dans un café, mais ça va être pareil. Mais attends, vas-y, y a pas les scènes, elles ont pas l'air d'être. À part la forêt qui a l'air d'être drôle, parce que je vois pas ce que tu peux foutre dans une forêt. À petite amie. Ah ça c'est, faut pas se faire friendzoner quoi. Premier rendez-vous avec Alexa. Drague en journée, coéquipier, bureau. Premier rendez-vous avec Kate. Je crois que je vais acheter le 2. Hein. On s'en bat les couilles tout ça là. Et puis ça, c'est dans 3 heures. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que je fais? Tu veux le 2 pour... Le 2? Allez, entertainment. On va tester le 2, voir ce que ça donne. J'en reviens pas okay. Que je suis en train d'acheter le 2. Alors. Alors, pendant que tu fais ça, je vais chercher... Mon écran n'est pas affiché? Non, c'est bon, tu peux y aller. Ok. J'espère par contre, pitié que ce soit le même mec. Parce qu'il est trop drôle. C'est un tocard. Super séduceur 2. C'est celui-là. Ouais. Le 2 est plus situationnel. Ouais, voilà, ça peut être. Oh, en vrai, ça sera plus marrant quoi. Parce que là, en fait, à chaque fois, c'est. Tu vois une meuf dans un bar ou dans un restaurant et tu lui parles de ta vie. Elle parle de ta vie et de sa vie. Et elle. Pff, c'est bon. Il m'a ouvert l'appétit avec ces histoires de trous de balle l'autre. Putain, tu te rends compte qu'on a paniqué une fois. Genre, vraiment. Il a eu des numéros, c'est tout. C'est génial. Ouais, j'espère vrai. Mais non, mais en plus, pour moi, le but de. Surtout dans un contexte de soirée, là, ça fait deux fois. Le but, c'est de niquer, c'est quand même pas de choper ouais, un numéro. Voilà, rien. Que dalle. Voilà, le contexte, c'est que, bah voilà, on a tous les deux bu un peu. C'est la nuit, mais voilà, je veux juste ton hume. Allez, voilà. Ciao. Allez, merci, on se revoit sobre un autre jour. C'est clair. Hein. Rue, on va être tous les deux bien gênés. Ouais. Bon, ça télécharge. Je vais pisser. Ah, bah, je vais pouvoir manger pendant que tu pars. Tac. Et. Bah, je vous l'affiche. Voilà. J'attends que tu partes pour commencer mon ASMR. Vas-y.
Ok. Avis à tous ceux qui. Je sais plus quel nom porte votre pathologie là. Qui n'aiment pas les bruits de bouche. Bonne chance. Petit fourré au chocolat. Ça fait des millions de vues sur YouTube ce genre de contenu. Et vous, moi je vous le fais gratuit. Est-ce que je vous rends horny? J'ai fini le premier biscuit. Voilà le deuxième. Pardon, c'est pas assez fort. Je rapproche mon micro. J'entends mon retour de micro, ça me dégoûte. Attendez, je vais mettre le biscuit. Ouais, la fibre entier. Là, putain. Je télécharge à 100 mégasecondes et je suis à 58%. C'est dégueulasse, qu'est-ce que t'es en train de faire? Ah, c'est dégueulasse. Ah. Mon micro. Ah, l'enfer. T'as, par contre, j'ai jamais téléchargé aussi vite, c'est quoi ce bordel? Vous voyez ma vitesse là? Vous avez vu cette vitesse? Qui est jaloux? Bah, tous les gens qui sont des campagnards. Qui est jaloux là? C'est vrai que ça va vite? Ça va super vite pour une fois. Bon, il me reste un dernier biscuit le temps que ça se télécharge. Vas-y, t'as le temps d'un dernier biscuit là. Ok. Il reste l'autre moitié à manger. Oh putain. L'enfer. J'ai pas choisi cette vie. Oh, j'ai le seum. C'est quoi tes biscuits là? Attends, finis ta bouchée. J'ai posé une question au mauvais moment. Oh, fais du gros gâteau au chocolat. Ah, c'est trop. C'est des petits fourrés U au chocolat. Ok. Des petits fourrés. Ça veut tout rien dire, je sais pas trop ce que c'est au final. Des petits fourrés. Bah, tout un petit fourré super U chocolat, tu verras. C'est okay. Délicieux. Oh non, me dis pas qu'il y a plus, le même acteur. Si, c'est lui. Dans les trois. C'est bon, c'est lui. C'est bon, c'est lui. Salut, c'est moi. Salut, les gros baiser, c'est encore moi. Salut, bon, allez, dans le 2, on va peut-être niquer. Hello and welcome to Super Seducer 2. We're back, bigger and better. La vache. I listened to your feedback and we've made a number of improvements. The first thing is ethnic diversity. We've got Asian characters, black characters, Arab characters. Bien vu ça. La diversité ethnique, notre principal retour sur le premier jeu, sinon il était parfait. C'était surtout le point qu'on avait mis depuis le début du jeu. Hi everyone, and I'm here to try and give a little ah, genre, female la validation féminine. Oui, féminine, effectivement, c'est important. Bien vu ça. Voilà, donc là les meufs du chat, vous pourrez plus dire non, c'est un tocard. Non, non, il a la validation d'une meuf. Et si elle valide, c'est que toutes les femmes valident. C'est comme ça, c'est la loi. Voilà. Cette meuf va parler pour vous. Préparez-vous. Oh, par contre, arrête de chanter, non. C'est parti, la bombe BCBG versus la mannequin. Oh, ça commence bien. Le patron et la secrétaire. Les suivants, à quoi ils ressemblent. Le patron et la secrétaire, ça va être insane. Les relations mixtes. Mahmoud plus âgé, femme plus jeune. Oh putain, alors là, ça a l'air d'être incroyable. Le club de striptease. À la recherche d'une aventure d'un soir. Interlude comique. Fille recherche relation sérieuse, une fille avec un groupe d'hommes. Application de rencontre, restaurant de sushi. Ok, il y en a pas mal qui m'ont l'air d'être. Non, des mais le marmoud plus âgé, c'est quoi ce. C'est incroyable!
l'émirat arabe versus l'instagrammeuse. Non mais fight. Bon allez, la bombe BCBG versus la mannequin. Elle vient de descendre d'un yacht, mais cette mannequin est bien trop sexy. À toi de choisir. But, un numéro, du sexe ou tue tes ennemis. Quoi? Quoi? Ok. Oh ouais, les plans et tout, ouais, d'accord. Le step up. Il y a du budget, hein, grâce au financement du premier. Le budget est énorme. Non mais... Non mais il s'est perdu là, qu'est-ce qu'il fait? Non mais... Il n'y a plus aucun rapport avec... C'est pourquoi ils ont mis notre vidéo de tank? C'est World of Tank. C'est World of Tank. Ils ont sponsorisé le jeu. Arthur, I'm hungry man, let's go to the restaurant. C'est ma conquête. Mais... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu me veux? C'est lui le BCBG, où est la mannequin? Mais pourquoi il fait ça? Mais laisse-moi tranquille. Arrête de nous prendre en otage avec cette intro. Oh non, il croit qu'il est BG. Il croit que vu qu'il a débarqué avec un tank, il est hyper impressionnant. Il croit que c'est lui le super séducteur, vraiment, il en est persuadé. Oh, c'est dur. C'est dur, c'est très dur. Mais le 2 est beaucoup mieux, mec. C'est impressionnant. Le budget du 2. Ah ouais, c'est énorme. Par contre, c'est Rosine Bachelot qu'on va devoir draguer là. J'avoue, celle d'avant elle était un peu mieux, non? Bah ouais. Oui. Pourquoi pas elle? J'aime pas les filles qui mettent des pattes d'ef, je trouve ça pas beau. Je suis pas hyper fan de ce style. C'est revenu un peu à la mode et j'étais en mode ah. Je suis pas hyper fan de ce style. Moi je trouve ça très moche. Avis personnel. Utilise le déclencheur de conversation génial conseillé par un youtubeur. Ouais. Attends. C'est quoi ça? Je sais pas. Je voudrais savoir ce que c'est quand même. Vas-y. Attends, je regarde les autres. Lui dire qu'elle a attiré ton attention et que tu veux attirer son attention sans lui parler. Ne pas t'approcher d'elle du tout. Contempler ses yeux tout en agitant le doigt comme si c'était un pénis. Quoi? Ah, il va faire le trou et le... Attends, je veux le voir. Et en plus, il vient pour le faire. Il va débarquer avec son doigt. Il va le... Oh, oh non, je sais pas ce qu'il va faire. Oh, il fait Michael Scott au moment où il fait ça. Oh oui, oh oui, oui, oui. Oh non. Oh, le prédateur. Oh. Le prédateur. Non, tu n'as plus le choix. Tue-la. Security. Je vais tuer mes ennemis. Ouh, yeah, man. You did it. You chose the very first red option in the game. Congratulations. Ouais, merci. Dumbass, obviously you don't. Il nous insulte maintenant. Il a pris la conf entre ouais, deux. Il a pas pris du charisme là. Il est chaud là. Ah, il nous dit maintenant t'es un débile ou quoi? Je t'ai rien appris. Comme le truc du youtubeur m'intrigue. Le déclencheur de conversation. C'est quoi, c'est une application? Instead of spending your money on a game like this, hey, why don't you walk up to a pretty girl in the mall and say, hey, you know, I don't know, you know, I don't, just keep it cool, guys. Ah, c'est un youtubeur qui a critiqué son jeu. Et ouais, du coup, je pense que le youtubeur a critiqué le jeu et c'est en mode, eh ben regarde ton conseil, il est trop nul. Ah, le bâtard. Oh, il est chaud. Oh, il est trop chaud, comment il l'a humilié. Et c'est pour ça que je suis persuadé qu'il ne joue pas un rôle et que c'est vraiment un gros beauf ce mec. Ouais, ouais. Genre là, premier degré, il était trop vexé. Ouais, c'est vraiment dit, bah, tu sais quoi, je vais t'humilier. Il a un pistolet, le mec. Oh, vexé, j'aimerais pas être le youtubeur, hein. Quelle humiliation. Ne pas t'approcher d'elle du tout, raté. Attirer son attention sans lui parler, lui dire qu'elle a attiré ton attention et que tu veux lui parler quelques minutes.
Je sens que Day, il va faire n'importe quoi. Il va faire un sale truc. Imagine, il commence à danser. Je pense qu'on va aller lui parler. Voilà. Ouais, je sens qu'il va faire un truc chelou sinon. Je croyais qu'il avait des chaussures à temps aiguille avec eux. Je le prends. Mais bon. Dommage. Hey, how you doing? T'assois pas. T'assois pas. Putain, mais pourquoi faire ça? Mais voilà. Pourquoi tu t'assois? I was just sitting there, saw you, and thought I'd come and say hi. Hello. This is a direct way to start, and I think in this situation it's pretty cool. Non. Whenever you're approaching a woman in front of her friends or in a public place, she would at least appreciate that you're very confident if you can go up and do it like that versus, you know, having a little weaselly way to do it. Yeah, I think if you can show confidence from the get-go, that always puts you in a better position. C'est validé par la meuf. Voilà. Donc on peut s'asseoir à la table d'une meuf au restaurant et dire salut, j'ai envie de te parler. Vous pouvez aussi genre arriver, retirer tout ce qu'il y a sur la table avec votre bras, le balancer et vous asseoir sur la table. Retirez la table, asseyez-vous à côté d'elle. Et bébé, comme d'habitude, s'il te plaît. Oh, commandez un thé, une part de gâteau et quelque chose pour elle. Il n'y a rien de bien sur le menu, retournons chez moi. Je prendrai une part de gâteau et la jeune fille prendra ma pitre. The cherry cake. For the lady, she's gonna be eating my dick. Cherry cake. Oh merde. You absolute pervert. You don't like dicks. I like dicks, but I definitely don't like your dick. I really, really don't. Can you just get off? No, I really don't want to see your dick ever. Not you are now, disgusting. But somewhere. Look at your smirk. You're actually just like a slimy I'm not pervert. A smurf. Can you get off my table? Yeah, yeah. Just go. Why are you screaming? Shoot. There's people. Get away, pervert. Go on, off. Oh yeah. This is just horrendous. Bit of an unusual order, also. Quel cringe. Alors, un shot pour l'assurance. Il va faire un conseil sur l'alcool. Il faut pas prendre de l'alcool, ça sert à rien. Lui demander de ne pas te déranger au beau milieu d'une conversation importante. Non. Non, mais c'est trop tard. On prend le B. Hein. Si elle est BCBG, le B c'est mieux. Il y a rien de bien sur ce. Ouais. So, do you already know prendre un truc. I'm going to be naughty today. I'm going to go for the chocolate cheesecake. Elle est super détendue. Déjà, on vient de se rencontrer là, non? Okay, and I'm gonna have the cherry cake, please, and English breakfast tea, but no milk. Okay. Thank you. Pourquoi elle a l'air d'être déjà sous le charme alors qu'on vient de s'asseoir? Bah regarde le charisme qu'il a. Non mais c'est trop. Je te rappelle qu'il est débarquant en tank. Non mais c'est ça. On dirait que le fait qu'il soit venu s'asseoir, ça a fait tout le taf. No, but if he offered me a glass of champagne at 5:30 in the evening, that's quite romantic. Or just a straight espresso. Il sait pas quoi dire. Sorry. Oh, c'est Mahmoud. C'est son Mahmoud. Ah, excuse-moi, c'est Mahmoud, un riche ami. Appelez Mahmoud. Ça dépend, genre, tu l'appelles et tu dis Mahmoud, au sujet des 15 millions que j'ai transférés demain. Attends, je vais avoir un cœur jaune, mais c'est pas grave. Lottie, I hate to do this, but I've got something really urgent, so it's lovely to meet you and all that, but... Non, mais non, I've parle devant elle d'un truc mais très... Non, parle du gros deal en cours. Mais c'est pas comme ça que j'imaginais la scène, putain. Mais il gâche tout. Vas-y, il est nul. Mais il est parti téléphoner dans son champ, là. Lottie, what's so urgent? There is a YouTube convention, my friend. And now is your chance. Ooh, who's there exactly? The vice journalists. Great. Qu'est-ce qu'il fait? Jack. Awesome, perfect. Boogie. Ah, he's quite likable. Tim Sterling. Fucking prick. Alpha Rad, friend without benefits. I like those guys too. There's also the mini Mint. Nah, he didn't answer my email, so whatever. Anyone else? Putain, il fait des petites blagues et tout, genre. Bah ouais. Il a vraiment pris la conf. Lisa. Oh, des plans drones là. Mais putain, mais c'est pas possible! Mais c'est.
Mais c'est infiniment plus gênant que le 1 encore. Oh, parce que le 1, il y a du budget pour être beau. Oh, c'est terrible. Mais putain, on a juste dit qu'on allait appeler Marmoud. Moi, je voulais juste me vanter auprès du gros deal. Die, you fuckers. Ah là, il lance des roquettes sur le salon YouTube. Ah ouais, d'accord. Ça doit être que des youtubeurs qui l'ont... Je terminais, tu as gagné. Ah, parce que t'as tué ses ennemis. Oh putain, c'est complexe, hein. C'est très complexe. Est-ce que c'est des youtubeurs qui ont critiqué le jeu? Je pense, hein. Tu crois qu'il va nous envoyer un missile virtuel dans le 4? J'espère. Bah allons-y, hein, on espère. Bon bah, on est obligé de refaire. Je vais tout skip. Mais tout ça parce qu'on a décroché à Marmoud. C'était ça, je crois. This is a... So I'm... Ouais. Ils ont changé les réponses de place. Bah, pourquoi tout le monde n'est pas à poil? Mes choix sont super, non? C'est, ça a changé, ça aussi. Hop. Je l'ignore. Just someone messaging me. Let me put that on silent. I never do that. I never have my phone on when I'm talking to someone. No. Oh, quel mec bien. En même temps, quand il décroche son téléphone, c'est pour exploser des youtubeurs et aller dans un champ très loin. Just amazingly, it's all summery, but it's got something to it, like a real interesting style you have. Thank you. It's really nice of you to say. Il mentionne Jim Sterling, qui est un grand journaliste de jeux vidéo. Il a dénoncé les harcèlements sexuels chez Ubi récemment. Je suppose qu'il a dû critiquer le jeu aussi. D'accord. Ah ouais, non, mais c'est voilà, c'est sûr qu'il a dû tailler des mecs qu'il n'aime pas. C'est ça. Et crocher sur son jeu. J'ai gagné suffisamment pour donner 500 euros là tout de suite pour que tu rentres avec moi. Oh putain, ça passe pas du tout. Je suis responsable marketing, je fais des vidéos YouTube, mais j'adore la poésie. Je fais des merveilles au lit. Je travaille pour une entreprise pharmaceutique et je fais des vidéos YouTube. Vérité. Bah ouais, Bah, vérité. Ça sous-entend que t'as plein d'argent en entreprise pharmaceutique. On est un YouTuber. The first is pharmaceuticals business. Wow, you must be very intelligent. What do you do exactly? Well, we just have different drugs for different ailments and illnesses and conditions. So that's the business, you know, like normal pharmaceuticals business. Yeah. Second thing's a little bit different is YouTube. So I make YouTube videos. Oh, that is exciting. Yeah. Tu fais des vidéos de coach en séduction. What do you do for that? Well, that's like the creative side and the other side. Ou du gaming. Yeah. The business side. Je fais des vidéos Call of Duty commentaires. Have to make like a new one every Tuesday and wow. Yeah, just trying to grow the channel and des vidéos de quoi? J'ai envie de savoir. Ouais, alors moi j'ai déjà dit à des gens que je faisais sur YouTube, ils m'ont jamais dit waouh! Donc ouais. Cette réaction est fausse. That's good, correct option. Ils veulent juste savoir comment tu gagnes. Ouais. Ils disent pas waouh! Mais comment vous gagnez de l'argent en fait? C'est des pubs alors, j'ai entendu dire. Et 1 million de vues, ça fait 10 000 dollars, c'est ça? I don't really need to work. But I do a spot of acting. Ah, lovely. You know, something interesting I've noticed. I've met some actors, and they're always very interesting people because they're empathetic, and that's absolutely. I think it's because when they're acting, they're feeling all these emotions. So il se fait beaucoup parler dans le jeu. Il s'aime trop. Je veux dire, moi, il va prendre son bras, il va va dinguer tout ce qui est sur la table, et il va s'approcher d'elle. Un jeu qui renverse la table. Approcher la fille dans la voiture. Oh là, j'ai skippé un truc. J'ai dû louper un truc. Continuer de parler à la fille dans le café. Il devait y avoir une fille dans la voiture. Merde, j'ai skip, j'aurais pas dû. Je vais approcher la fille dans la voiture. Elle a dû sortir. No, I hope you don't mind. I'm just c'est la mannequin. Autograph quickly. Oh, okay. I'll be back probably. Hang on. Probably. Yeah. Right. Elle vous désirait de ouf. Ouais, c'était gagné en fait. Pour être aussi énervé. Ah. Oh. Oh non, mon dieu. Oh non, une blague. Non, 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 non. C'est pas la peine. Tu n'es pas marrant. Tu arrêtes tout de suite. Ils ont dû faire une semaine de tournage de merde, là. Oh, oh non. Ah
Ah ouais, donc on est passé. On s'est frotté contre la voiture. On est passé à une autre situation, quoi. Lui dire qu'elle est mignonne et baisable. Non, mais oh non. Il insiste beaucoup. Lui dire que ta tati est à l'hôpital et que tu dois vite t'y rendre. Ah, je le trouve très dur le 2. Genre vraiment, je sais pas quoi répondre. Je suis vraiment. Le niveau de difficulté du 2 est incontrôlable. Surtout que quand vraiment. Tu réponds un truc pour rigoler, genre commencer à sauter contre la voiture, ça part dans un film de ouf et tout. Genre, j'ai peur. Je fais un truc pas drôle, je fais un truc normal. Moi, j'aurais préféré te frotter à la voiture, voir ce qui va se passer. Si parce que le mec, il vient de courir 10 bornes pour faire ça. Thank you. Ah, il va se dire, regarde, il se dit, oh là, je vais me frotter là. En fait, il en a rien à foutre de la meuf. Il est mécanophile. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est chaud. So immature. Oh, c'est trop. Putain. Bon bah, la réponse c'est pour moi. Allez. Mignonne et baisable. Oh, non. J'entends de faire un marathon pour aller faire ça. Oh, la belle Mercedes là. Mais ça, t'es au courant qu'elle va partir, elle va démarrer la voiture, on va se retrouver tout seul dans la forêt. Non, ils vont nous annuler le truc, on va revenir en arrière. C'est sûr que non. Et ça va. Et pour dire au revoir à Pascal Légitimus, c'est là qu'il prend un café. SL 350, yeah? Yes, you're right. You know what? You're beautiful, your car's amazing. Let's fuck in the car. Oh my god, you wanna have sex in the car? Yeah, babe, let's get in. Get in. Jump in, yeah? You fucking crazy bastard. You fucking bitch. All that cardio nothing, man. Quel bouffon. Big tease. Ok, elle a rien fait. Elle était juste dans sa voiture. T'es là avec ta tête là dans ta voiture. T'es là à passer à au moins 20 mètres de moi avec ta voiture là. Tu me chauffes en accélérant la caisse là. Ok, faire semblant d'être flic. Super blague. Non, la tati à l'hôpital, non. Non, c'est pas bon. C'est B mais ou D. Mais sûrement Netflix, ça peut... Moi, c'est ça peut sûrement Netflix. Ça peut être une blague, hein. Bah si ouais, ça peut être une mais il faut qu'il soit un bon acteur et qu'il soit rigolo, quoi. Yeah. You got license registration? Why you ask? I'm an undercover cop, actually. We've been hearing reports about a girl in a red Mercedes who's transporting drugs across non, the border. Non, mais non. Moi j'aurais. Putain, mais. Ah là, il le fait mal. Oh putain, là, mais... non, mais va te faire enculer. Ah non, non, il. Non. Do you want me to show you something? Yeah, I do actually. Yeah, I have something for you. What you got? See that? You're also oh, le plot twist! Alors ça. Alors ça, on s'y so attendait now, pas. What you need to do? We were rehearsing, so now I will just go. Immediately. Nice. See you in the precinct, yeah? Mais ce connard aurait pu jouer la carte du beauf et dire genre des trucs que on nous a signalé une femme avec Mercedes ouais. Rouge qui était très séduisante. Ouais, un truc comme ça, genre. Fin de blague, quoi. Pardon, ouais, faut le rendre évident, quoi. Bon, bah, fais chier. Listen, I saw you in that place. And. Je suis un détraqué en fait. Alors du coup, je suis complètement ravagé. J'ai un couteau dans ma poche arrière en fait là. Donc, Ah, je vais t'attacher à un arbre là. If you go to any great difficulty to talk to a woman, it's then strange to be really indirect. So if you had to cross the road or. J'ai une relation conflictuelle avec ma mère. Je suis tout petit donc. You've got to make it worth it when you get there. Anyway, my name's Richard. My name is Marina. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you doing today? Fine, and you?
tired, but why? Tu veux que je te montre ma cabane là, dans les bois? Good cardio. Yeah, but it's a nice place here for running. Yeah. Oh mon dieu, mais il fait tellement peur. Oh putain. Lui dire qu'elle ferait mieux de marcher que de conduire. C'est-à-dire. C'est sous-entend qu'elle est grosse, non? Je sais pas, je comprends pas, ouais. Lui dire qu'elle est ouverte et sympathique. Oh. Ouais, bah ouais, parce que déjà elle a pas accéléré, il y a un psychopathe dans la forêt qui vient de l'arrêter. Donc ouais, elle est vachement ouverte et sympathique quand même. You know what, I've been chasing you for ages, but you look really open and friendly, so. Thank you. I think it might be alright. Is it right, you're a friendly person? Yeah, I believe so. Oh, il est... Non, mais c'est la situation la plus. Dangereuse de l'univers, là, trop bizarre. Saying that she's open and friendly, then in the minutes following, et la meuf à gauche, elle approuve tout ça. Oui. And you're also complimenting her on her oui, tout ce qu'il dit, c'est vrai, je suis payé pour valider tous ses propos. Voilà. C'est très vrai. Voilà. Marina, I've got an intuition about you immediately. Tell me. Ça se trouve, ce mec, à cause de son jeu, il y a des gens qui ont couru après des meufs dans la rue. C'est en prison. Ouais, il a envoyé pas mal de mecs en prison. Mais avec les gens que vous êtes proches, vos bons amis, famille, vous êtes vraiment très warm et open. Oh, les banalités, putain. Yep, you're right. Yes, good intuition. I can just feel it. Ouais, j'ai écrit des horoscopes. C'est clair. Lui demander si elle est du genre spontanée ou chiante. Oh non, mais. Non, oh c'est... Oh non, mais oh, vas-y, non. Fais celle-là. Fais celle-ci, je l'ai fait, mais je l'ai fait purement pour l'expérience parce que normalement elle va complètement démarrer la voiture. Sinon, il y a un problème. Elle est, je vous rappelle qu'elle est flic. Hein. Elle est flic. Hein. Do you prefer it in the pussy or in the ass? Oh yeah, disgusting. Yeah. You like it? You ready, babe? What? Yeah. Ah, mais c'est ouvert cette fois-ci. I'm gonna drive. You gonna drive? Yes. All right. Oh, le Joker. Live fast, die young, but girls do it well. Non, non. Non mais stop, non, stop, non, stop, non, stop, non, non, non. Et merde, je pense que c'est assez pour un strike. No, fais chier. Right. Donc évidemment, c'est rouge. Je me demandais si elle est gentille ou méchante. Oh putain, bordel. Si elle aime bien les chiens ou les chats. Mais qu'est-ce... C'est purement random. C'est... Mais non, mais là, genre là, c'est... tu viens de courir, t'es dans la forêt, tu viens de l'arrêter pour lui dire ça. Excuse-moi, t'aimes les chiens ou plutôt les chats? Non, mais attends, je sais même pas quoi dire. Je travaille pour l'INSEE, je fais des sondages. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Je sais même pas quoi dire. Spontanée ou chiante, parce que peut-être que ça pourra te permettre de rembrayer sur autre chose. Si elle te dit qu'elle est plutôt spontanée. T'imagines demander à quelqu'un s'il est chiant? Bon, bah demande-lui s'il préfère coucher avec des mecs ou genre lire des livres, j'en sais rien. Je peux intuiter quelque chose, mais maintenant j'ai besoin de demander. Est-ce que tu es boring ou spontané? Je suis spontané. Il y a des gens qui disent. Je suis boring, oui. Non, mais tu étais très. Immediate that you're spontaneous. What's something very spontaneous? Oh, l'expert en psychologie. Well, actually, I stopped here in the middle of the road. Talk to me. To a guy running after my car. That was spontaneous. I guess it was, yeah. C'est très dangereux. This is the best possible option, and you know, in this situation, it is a very spontaneous situation. You know, you've run off with. Okay. What have you been up to today? Actually, I was in the gym. I just. Oh, encore une discussion inutile. So you're a supermodel, so you need to look like this in the gym, or you did it afterwards? You mean my makeup? Yeah, all the makeup, the sexy what's dress. Wrong with... And makeup's great, but I just think if you're working out and you've got. I was born like this. No, I'm kidding. I just have some other plans after my training. Ah, so you're going. Il y a Drake Noon dans le chat, il en peut plus. No. On veut du cul, putain. Il en peut plus. Putain de merde. T'inquiète pas, il y a le chapitre 2, c'est le patron ou la secrétaire, on va tenter de faire un truc. Ouais, celui-là, il va être classique. C'est game. Quoi? Oh putain.
Alors là, je suis désolé, mais il va falloir à un moment donné mettre les pieds dans le plat, comme j'ai envie de dire. Je suis désolé, mais là, c'est donné. C'est donné. Il faut obligatoirement... On va parler du jus de chat tout de suite. Cold pressed juice, yeah? Mm-hmm. Do you know what I like? What? I like cold pressed pussy juice. Oh my god, you're so awful. You like awful. It? Can I, no. Are you juicy now? You're getting juicy. Oh non, bordel. You're getting juicy, nice and wet and juicy. And... Oh, le prédateur, non. Il va baiser un arbre. Tu sais ce qui me fait dire que c'est un tocard en plus, c'est qu'il a voulu être la star de son jeu et qu'il joue extrêmement mal. Ouais, genre c'est. Genre c'est ça, il y en a qui jouent bien dans ceux qu'il a pris. Ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il joue mal? Je vais prendre ma beurre, ça fait mec qui a pas de voiture. Attends, et. Bah, peut-être qu'il veut pas s'imposer et rentrer dans la voiture, tu vois. Ouais, mais il précise que c'est un Uber. Moi, j'aurais dit, je te rejoins, je prends ma Bentley. Ouais, mais je peux venir avec toi. T'imagines le mec qui dit, on se retrouve au bar au jus de fruits, je vais prendre un Vélib. Alors qu'elle roule dans une Mercedes, elle a l'air d'avoir plein de thunes. Ouais, mais genre, je peux venir avec toi, genre, c'est, on se connaît à peine, tu vois, c'est trop. Bah, jamais de la vie, t'acceptes, mais déjà de base, mec, jamais de la vie. Oui, de base. Comme ça, tu t'arrêtes en plein milieu de la forêt quand il y a un mec qui te court après. Donc, si on part de ce principe-là, on peut être sur du E. Moi, je dirais le B, mais le B, t'es un peu un loser. Je pense que c'est un. Cold pressed juice, yummy. Non, c'est trop. Come with you, please. Tu es gênant au possible. Non, ne regarde pas. Well. Non, mais non, okay. Ça ne marche pas. Non, c'est pas. En plus, il est en train de supplier en mode on dirait un enfant de 8 ans. Mais yeah, c'est clair, ça marcherait s'il avait 8 ans, ce fils de pute. Interaction with a woman, you could find that you're saying, can I talk to you? Can I call you Charlotte? Asking the permission, can I do like this? Can I get child. You a drink? Yeah. And although it's nice to be polite, I think women expect a little bit more decisiveness and, you know, so. Making an offer, like why don't I, or phrasing it differently. Il regarde en mode je t'ai payé, dis oui. Approuve. On peut donc du coup tripoter une femme sans son consentement, on est d'accord? Oui, oui. D'accord que l'initiative, c'est bien. Boyish. Alright, shall we go? Okay, get in. Don't mind if I do. No. This is nice. Thank you. Mais ce mec-là, je pense que ça marche une fois sur 50, cette technique de séduction. Ah ouais, genre, il doit dire que ça marche parce qu'il fait ça toute la journée et une fois par mois, ça passe, quoi. Encore la tronche des meufs avec qui ça passe, ce genre de truc dégueu. Let me find it on the map. Do you know their address? Because I don't know how to go there. No, but if I put it in, juice bar... Lake juice or something. Yeah, there it is. Lake juice. See? Just okay. One. So you just go there and then there and then there. Really, so not far away. Yeah, it's not far. Super. You wanna try it? Okay, let's try this. Attends, one. Mais pourquoi c'est immatriculé à Dubaï? Ah ouais? J'ai pas vu. Ouais. Il faut créer une relation de confiance. Après l'entraînement, rien de plus qu'un massage. Pas de massage. Demandez à une amie par texto d'appeler. Tu savais que 93% des femmes se masturbent dans la douche? Lui dire que tu vas apprendre à la connaître plus intimement. S'il dit que demander à une amie par texto d'appeler, c'est une bonne technique, c'est horrible. Genre. Oh bordel. Tu veux qu'on mette C pour le. Je veux la C. Ah, je le savais. You said you just been to the gym, right? Right. Yeah. That made me think of something because gyms have showers and it's a little bit dirty, but do you want to hear it? Not too dirty. Try, okay. Not too dirty. No. Did you know that 93% of women masturbate in the shower? Mm-mm. I didn't know that. And the other 7% sing in the shower. Ça va passer, do you know what song they sing? Which song? Do you know? No. No. Ah, so you must be in the 93%.
Oh my God. Il s'est trompé sur les pourcentages. Ah bon? Oui, il est passé à 93. Non. C'était gênant de ouf. So this one is too sexual. Yeah. Do you know en plus, one? C'était une blague. Yeah, I've just heard it. Yeah. It's like, did you know that 93% of women masturbate in the shower? Did you know? I didn't know. The other 7% sing. Do you know what? Oh non, il l'a refait. Vas-y, c'est bon. You don't know? No. Then you must be in the 93%. Boom. Hilarious. No. Ah, c'est pas validé. Just literally a conversation killer there. Oh, le déni, ça c'est un déni hors jeu d'acteur. Genre vraiment t'es une merde. Quelle journée putain. Ouais, c'est au bar à jus là. C'est le bar à jus. Il y a pas de bar à jus. C'était juste un prédateur sexuel. Mais c'est ici que je vais t'assassiner, en gros, je vais te jeter dans le lac juste là. Mais à aucun moment c'est possible. La tête. Je vais te tuer, je vais te tuer. Non mais c'est pas possible. Mais là, au point où on en est, genre, ça ne peut plus marcher, c'est un psychopathe complet, il n'y a rien qui marche. Mais déjà, t'arrêtes pas avec ta voiture parce que quelqu'un te court après, c'est pas normal. Ouais, non, mais genre c'est... Là, pour s'en sortir, ça va être... ça va être C, faut nier en bloc, truc de tocard. Moi, je dirais les excuses. Tente le C. So how come it's not here anymore? Marina, look, I'll tell you something about me. I'm very honest. So if I intended to bring you to a place with no juice bar, and I knew that there was no juice bar there, I would tell you. But honestly, I really thought it was here. Haven't been here for a while, and I guess it shut down. But we could just take a minute and enjoy the beautiful place, yeah? And then maybe go for juice somewhere else. Well, actually, it's a really good place. Super. Glad you like it. Elle est vraiment sympa. In this moment, only honesty will work. Ton cœur, il fantasme trop ces situations. Terrible. Mais ça, c'est vraiment dans sa tête, en fait, cette scène. C'est dans sa tête. Super, merci pour ton expertise. You know, I used to come here when I was young. Feed the ducks, the swans. And now, when you are not young anymore? Now I'm too busy, so... What are you going to do? What are we gonna do? On va nourrir les canards. Essayer de la tripoter et de dire que tu savais que c'était une salope dès que tu l'as vu. Mais putain, c'est grave. Mais mec, toutes les réponses sont... Oh. Il manque la D là. Non mais la D elle est où? Ouais non mais t'es ouf. Il manque la D, la E, la F. Genre, y a rien qui va. Y a rien qui va. Bon bah quitte à être foutu, on part sur la B. La B. Bon, on est obligé de mettre une B parce qu'on met toujours une B. What shall we do? What shall we do? Mais quelle gêne. Where are you leading? What shall we do? Well, avec sa gestuelle de mal à l'aise. Ouais, genre. T'es pas à l'aise avec ton corps bouffon, va. You're a dirty slut. Oh la vache. Exactly what to do. Don't touch me. Non. Jette-le à l'eau, jette-le à l'eau ce bouffon, je veux qu'il aille se... Oh non. Non mais... Mais fais un effort. Il joue mal, hein. Mais fais un putain d'effort. Ah, je ne vois rien. Ah, je suis aveuglé grâce à ce gaz lacrymogène. Je ne peux plus voir, je vous jure. Ah, ça dure longtemps, putain. Come back, you bitch. I mean, I'd be on the phone to the police immediately. Oh wow. Eh bien, la A, écoute, moi je suis désolé, mais si la B passe pas, la A passera. Là c'est ultra creepy, mais... Normalement rien ne passe tactiquement. Ah normalement rien ne passe, mais je suppose que du coup c'est... Mais tu vas quand même m'appuyer sur la A.
Tu vas tout ruiner. On va encore pas baiser à cause de toi, ça saoule. Well, I'll tell you what. Non, on va pas baiser parce que ça va contre celle-là, ça me fait chier. For you. You ready for this, darling? I'm gonna. Right here. Right now. Darling, non, mais... wait a second. I need to just. You clean it. Allez hop, tu vas re-être aveuglé. You. What the fuck's going on, babe? It's a gun. Turn back. It's a garden. It's not wet, right? Whoa. What do you mean turn? You have 3 seconds to turn. All right. One, wait, wait, two. Wait. Otherwise, I'm gonna kill you. What and are you doing, darling? And don't turn back until I let you. Hello? Qui a inventé ces scénarios? C'est quelque chose, hein. This is not comfortable, baby. Darling, I'm thirsty. Oh putain, il m'énerve quand il essaie d'être drôle. Casse-toi. What if I need toilet? Totally inappropriate, I would say. Disgust. Bon, c'est bon, c'est bon. Au final, on va pouvoir y aller. Est-ce qu'on devrait pas boire un jus chez moi? I've got a radical idea. Radical. Tell me. So get this. Juice bar's not here. Obviously. So, we could go to the Coca-Cola place, but no, we don't really want that. We could go and try and find another juice bar, but... I tell you what, I've got a juice machine. I've got oranges, pineapples, maybe I've even got some mangoes. So why don't we go to my place and I'll make us some delicious juice. What do you say? To your place? Mm-hmm. For the juice? Just the juice. Well, okay. Excellent. N'importe désolé, quoi. Mais elle était intéressée depuis le début par, avec son charme. Genre, ouais, en fait, je te jure, c'est comme la première meuf, quand il s'est assis, c'était déjà gagné. Genre, c'est y a pas game, d'autre. Donc, y a, bon, c'est impossible autrement. À moins de tomber sur un extrême comme je vais te bouffer la chatte, bah, normalement c'est plié. Si t'es pas un putain de pervers sexuel, ça marche. Genre, tu peux être un giga lourd de merde. C'est... You know, one of the things I like most in life is how you can make small decisions. And it just changes your life in a completely unexpected, exciting way. Yeah, like today, how c'est we met. Fou, ce que tu yeah, dis. I don't know where you're leading to, but I need to tell you. Mm-hmm. If I'm coming to your house, I'm just coming to have juice. Ouais, bah, not sex. Ouais, not sex. Mais on connaît ça. Tasty juice. Anyway, if you croit, remember, dit, the digest come out of my kickboxing class. Le but beat. Non mais attends, je viens chez toi pour boire un jus. Oui. Oui, on se connaît pas. Super, ouais, c'est normal. Tout à l'heure, c'est pour boire un jus. Bah oui. Tout est normal. Lui dire que tu respectes sa décision, quelle qu'elle soit. C'est attends, ça. Lui dire que si elle ne couche pas avec toi, elle reverra sa femme. Oh, celle-là, on va la mettre. Essayer de la tripoter et dire que tu savais que c'était une salope dès que tu l'as vue. On l'a déjà fait. Je profite de toi pour avoir tes recettes de jus de fruits, rien de plus. Sois pas si présomptueuse. Humour, un peu. Humour, ouais, mais. Par contre, of course you're gonna come back with me. Because if you don't, you'll never see your family again. Mais il joue trop mal pour que ce soit drôle. Little pieces, and I'm going to eat their liver and their kidney and roast it and marinate it, and then. Il est super gênant. Parce qu'il est pas drôle en fait. Il ouais, essaie en d'être fait, rigolo c'est et. Impressionnant coup, il est gênant comme, de comme ça marche pas quoi. En fait, c'est un tocard. Mais dans la vraie vie, je parle. Donc du coup, c'est grave gênant. Non. Good. Oh putain, c'est dur. Full respect. You know, I respect that. But here's how it's gonna be. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? I can still compliment you. I can still make some moves. But if you say no, I will respect it. But at least you can enjoy me, you know, flirting with you and trying to. Or enjoy the power of saying no. Yeah, if that's what you like, of course, it's your decision. Okay. So whenever you're accused of being, I don't know, sexual, or whenever a woman says, I'm not going to have sex with you, the wrong answer is, that, of course, I would never try that. You know, it's a much better position to take to be honest that you're...
Très bien. Tu peux écouter l'approbation de la femme. Non, je pense qu'elle va dire c'est vrai, l'honnêteté c'est toujours la clé. Ok, let's go. Quel winner. 21 minutes plus tard. C'est quoi cette peinture? C'est un chibre. Qu'est-ce qu'il a pris la peine de décrocher ce connard là? C'est dans le couloir là. This is orange and pineapple. Wow, that's nice. Yeah, it's one of my favorites. Had it for the first time in Singapore. I'm trying it for the first time now. Oh, cool. Well, tell me what you think. Really nice, refreshing. You're good, right? Yeah, when it's hot outside, it's perfect, I believe. What's your favorite juice? Actually, my favorite is tomato juice. Tomato? Trop pas pratique, ils doivent mettre sur la table derrière. Trop chiant, tu veux pas une table basse? C'est pas table basse, c'est pas mal. Hop là, et voilà, c'est fini pour les jus de fruits. On passe à la suite. Voilà, tu es chez moi. Bon bah maintenant, je vais toucher tes nichons. On a tous les différents fruits. On peut avoir dragon fruit, sour salt, like all kinds of fruits. Oui, on peut parler de fruits par contre, c'est vrai. Do you like to travel? Utilise la technique des trois critères de Baxter en géant. Mais qu'est-ce que c'est que cette technique? Lui poser des questions sur sa vie sexuelle, non. Utilise la méthode des mauvaises expériences sexuelles d'Adam Lyons. Oh, le mec qui sort de la théorie. Mais et c'est tout. Quoi, oh ça là, 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 là. Bon, on fais-nous les trois critères de Baxter là. Parce allez, que... on part sur les trois critères de Baxter. On devrait faire B, je pense, mais partons sur les trois critères de Baxter. You know what, Marina? Tell me. Before I get to know someone deep inside, elle est pas assise comme quelqu'un qui veut juste boire des jus de fruits en vrai. Non, c'est clair. Genre, sans déconner. Madame, vous êtes assise comme une escorte, je suis désolé de vous le dire. Là, elle est un peu intéressée quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais, bon, non, mais personne. Non, mais on est où là? Là on est où là? Là, les jus de fruits non, sont. Non, mais allez-y directement, c'est bon là. Il n'y a plus d'histoire de jus de fruits. The second one. Is that I like a girl with great smelling hair. So, let me check. Oh putain, Baxter, c'était un bouffon en fait. Je pensais qu'il y avait un nom qui faisait intelligent, mais. C'est un pote à lui, Baxter. Apple, is that your shampoo? You're right. Yeah, that's my shampoo. Very nice. Okay, the third one is that she must have great taste in shoes. So, let's have a look. Oh, nice. Yeah, suede. Very cool. Nice heel. C'est bon là. C'est... And do you know why that's important? Why? Because good taste in shoes always means good taste in underwear. Oh, really? Yeah. Well. Quel génie ce Baxter. Yeah, you have good taste in underwear. Yes. Yes. Gros baiser le Baxter. Hein. Nice one, you know, in this. Alors, game, j'attends le moment où la meuf va dire c'est vraiment une excellente technique. On m'a fait la technique de Baxter un nombre incalculable de fois et à chaque fois je craque. Je fais à chaque fois. And we actually did this on live TV once and Baxter did it and worked fantastically and you know that's there forever on a documentary we filmed. So this is one of the routines that actually works. Really well. Well, I've heard it's quite good to compliment someone on their style. It shows they're not. It shows you something about their character when you compliment someone on their style. Mm-hmm. Super. You said you do some. Yeah. What was it? Thai boxing. Or... No, it was kickboxing. Ah, kickboxing. You know what is it? Yeah. Lui proposer de faire du kickboxing. Boxe-moi les couilles. Je vais me mettre dessus et tu vas me boxer. Tu vas pas boxer là. Viens, on se met tout nu, on fait du kickboxing. Mais pas de sexe, hein, genre. Yeah, I think I saw it. Yeah, I've seen it. With you? Yes. In this dress? Yes, in this dress. In these heels? In these heels. Sounds great. Yeah, show me something. That's that. You ready? Lui mettre un putain de poing dans la gueule. Let's start. Okay. Le sommet. L'autre était plusieurs fois de pute pour la provoquer. Bon, la femme là. En vrai, non mais Twitch, oh, Twitch. Vous savez très bien que c'est pour. Oh ouais, c'est non, complexe c'est... en vrai. C'est. Non mais c'est scénarisé, on fait des trucs ridicules. Twitch.
on vous adore. Bien vous évidemment. Un travail formidable. Vous savez que c'est pour rire. Et on sait très bien que vous êtes assez lucide pour savoir ce qui est déplacé ou non. Là, le chat, grand respect, s'il vous plaît. Attention. Ouais. Ne laissez on veut vous... du respect, ne vous laissez évidemment. Pas aller. C'est juste pour voir comment il joue la scène, c'est tout. Excusez-vous, là, c'est vraiment. Enfin, il veut la séduire et là, donc, il va la sauver pour lui montrer sa virilité, quoi. C'est... S'il faut qu'on voit ça, c'est pas possible. Rendez-vous compte. Wait, il va prendre un pied de table, il va se foutre la gueule. Oh, elle est gênante. Oh, c'est trop. Ah ouais, et ça. Ah ouais, d'accord, c'est tellement mal joué que Twitch attends, s'en fout, je crois. Attends, mais le truc, c'est que il y avait une ouverture, mec. Elle s'attendait pas à ça. Oui, oui, en fait, c'était vraiment bien. C'était bien, et puis il l'a assommé. En fait, j'ai limite l'impression qu'il aurait pu l'embrasser parce que, genre, elle était en mode. En mode, ah, oui, c'est le moment. C'était ok. Et il a fait n'importe quoi. This one, I'm gonna, you know, go out on a limb and say that it's probably a no-no. Je vois pas comment il va faire. Ouais, mais là, il va se faire tabasser là. Il va se faire tabasser. Je le vois trop de loin avec son petit sourire faire bitch, bitch. Fucking bitch, wow. je dois le voir. Je dois. Alright, yeah, let's do this. Come on then. So first, no, I know what to do. I know what to do. No, you should. What's this? Take a start. Arrête de faire. That was 7 hits in 1 second. You should take a starting position. Dude, this kind of crazy. And I pretend gonna go here and what the? No, that's not right. That's show me what you got. That's show me. Not sport at all. Yeah, whatever. Starting position is like this. Oh, it's boring. Come on, look, just hit me, hit me. You want me? Yeah, you're not angry. I need to make you angry. Yeah, come on, you bitch. What you got? That's nothing. That's what shit. Come on. Sucking. Just making you angry, so you do it properly. Yeah, come on, it's a psychopath. Come on, you whore, hit me. What is that? Oh my god, I'm so sorry. It was too oh non, ils vont pas nous. Oh non, la scène va pas passer parce qu'on. Oh my god. Putain, mais c'est elle qui doit s'excuser maintenant. Are you okay? No, I'm not. Are you gonna be okay? Not today, so. Maybe next time? Mais il vient de la traiter de tous les noms et elle veut rester. Je ne comprends rien. Mais quel loser. Quelle grosse merde. Non, la scène va pas passer. Ok, c'est bon. Bon, les yeux parce que... Ouais, les yeux, allez. Les yeux. La prise de judo, bon, phrase, j'aurais bien aimé voir ça, mais bon, allons-y. Non, mais de toute façon, moi, le contexte me met un peu mal à l'aise. C'est, ouais, ouais. Ce côté... C'est terrible. Ok, c'est tactile, mais sinon, c'est prise de judo, donc c'est grave gênant. J'ai une much better idea. Do you want to try something more interesting? Shall we? All right, let's do this. So, I'm going to put my hand like that. You put your hand on top. And then these ones the opposite. The whole time, you're going to look in my left eye. And as we breathe, we move the hands to the same rhythm. So. Putain, mais il est trop fort. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. You see? And it builds a close connection. C'est game. Soul gazing. Cool. Et ben voilà, après l'avoir assommé, l'avoir insulté de pute, c'est game. Et voilà, on ne fallait pas l'assommer, mais sinon, ça va. Donc on récapitule, la suivre sa voiture en courant. La faire s'arrêter seule dans la forêt, l'emmener dans un lieu qui n'existe pas et dire qu'on savait pas qu'il n'existait pas, lui proposer un jus de fruits et dire que c'est que pour un jus de fruits, faire du kickboxing avec elle et faire la technique de la respiration avec les mains. Et c'est plié. Voilà. Maybe, yeah, but you've got to play it that where you're playing it, you know, how well you've performed in the early stages. C'est qu'il y a la meuf au café qui nous attend encore. Hein. On l'a dit qu'on revenait. Oh merde. On n'a pas fini nos histoires. Ah mais lui, il doit être occupé. Hein. Lui, ça doit être 5-6 meufs à la fois sur le mois. On va faire. Bah, tu vas arrêter tes blagues maintenant. Ah mais arrêtez la scène, c'est fini là. Ah mais on a fini. C'est terminé. Non mais qui m'a dit que c'était ok pour Twitch? La scène n'est pas finie. Non mais... Really right.
lui faire signer un contrat. Lui dire que c'est trop cool, que vous êtes tous les deux sobres et qu'elle est spontanée et pas chiante. Essayez de battre ton record de vitesse de paix. Je dois le voir, je dois le voir. C'est trop. Qu'est-ce qu'il va faire? Attends, mais c'est... Alors, je me tiens prêt à désafficher. En vrai, je me tiens prêt à... Mais non, mais c'est pas... Il va rien se passer. Yo, what's up, Twitch? Yep, we're nearly at that moment. I'm gonna go for it and beat my speed run. We're looking for 30 seconds. What are you doing? In there, bam, bam, bam. I finished within 30 seconds. Guys, yeah, thanks for tuning in. Dr. Disrespect, big shout out. We're gonna beat your view count today. Yeah, are you babe. Kidding me? Wait, wait. Oh, $500. I don't want to be on your thank movie. You for the That's pledge. Thank thing. You, thank you very much. Davey, 207. Stop touching me. No, 30 seconds, babe. I've got my timer ready. It's the record. Well, like 31 seconds is the record. Trop long. Wait for... Non, trop long. Wait, stop. Trop long la blague. Tu vois que il en veut à mort au youtubeur. Ouais, de ouf. Hein. Il est... Il essaie de leur mettre des pics ridicules il à insiste. Chaque fois. Guys, we'll try again next week or tomorrow, but soon. Ok, à bientôt. Something was wrong with this one. Definitely shouldn't live stream your set. C'est trop cool. Mais c'est quoi le contrat? je sais pas. Ah, j'avoue, j'aurais dû checker, putain. So we have this real connection. Yeah. Right. So this is one of those situations where she could see it as either weird and something that shouldn't happen. Or if you paint it as something cool and spontaneous and interesting and different and happening for the right reasons, then she's more likely to see it that way too. But if you kind of let the doubt go too long, then she might just say, this is weird, what are we doing? Yeah, you need to be confident with your actions for sure. Toujours des apports très importants de la part de cette dame. Partir. Bon, partir, c'est tout ça pour j'ai décidé de, d'arrêter. Genre... On va coucher avec Marina, je pense. Hein. On a beaucoup trop travaillé. Bon, on a trop travaillé. Hein. On va pas tout abandonner maintenant. Il n'y a plus de son. Nice one, obviously the perfect choice. Best choice in the game. Well done, thank you for helping. Great, yes. Well, it's absolutely a woman's prerogative. Whatever you choose, as long as it's your decision and you're happy with it, that's great. C'est gagné. This is a direct way to start. Bon choix, 82%. Situation is pretty cool. Oh, quand même, ah ouais. On a quand même eu des soucis. Hein, alors qu'on a dit des dingueries quand même. Ils sont gentils quand même. Hein. Putain, mais tu te rends compte qu'au début, c'était avec une autre meuf. On a complètement... Ça a terminé chez soi avec... C'est fou, avec une autre meuf. Prochain niveau. Are you sick a little bit? Oh merde, c'est quoi le prochain niveau? Ah non, mais non, c'est... Le patron et la secrétaire. Ah, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. J'ai some sinus problems. Sorry. Okay. How's your business going? It's going really well. Yeah. We're doing product design now. Really? Furniture design, oh, yes. Wow. Very excited. Got two prototypes and they seem to be really nice. Ah, everybody brilliant. Likes them. But more importantly, how many followers you got on your Honestly Designed Instagram? Because that's more important than of money course. And contract. C'est quoi, c'est une pub just déguisée là? On dirait une pub déguisée, frère. Je te jure qu'on dirait une pub déguisée. Mais ils sont vraiment en train de faire ça? I'm sorry I missed your birthday. Il y a eu le hat et tout, il aurait c'est pas incroyable. Dit juste... Mais c'est fou! It was really nice party. Hmm. Yes. Sorry I wasn't ce jeu d'escroc là. Not all bad. C'est un mafieux lui. I have a present for you. You do? Yeah. You ready? I think so. Mais il est tellement creepy en plus. Offrir un jeu sur Steam. Raton laveur. Raton laveur. Bon pour les cours de yoga. C'est-à-dire que là, il a fait débarquer un raton laveur dans le tournage. Oh non. On teste le raton laveur ? Bah ouais. Parce que là, je veux le voir quoi. S'il existe. Relax, close your eyes, and get ready for your surprise. Okay. Et en plus, il a loué un raton laveur. Yeah. Il n'a pas de limite. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Mais quel enculé. Alright. You ready, Lélia? Mais tu vas le laisser tranquille, ce pauvre raton laveur. Open your eyes, Lélia. Il a rien demandé, putain, il est dans le pire jeu Steam. Oh my god. You're scratching me. Oh, you scratched me up, but anyway. So anyway, it's your raccoon. It's my raccoon. Yeah, because your cat died. So I got Tom died, right? So he did, yes. Now you've got a raccoon. Oh, how long do I have it for? What do you mean? He lives about 21 years. How old is he now? Nearly 10 months. Are you serious? Because cats are shit, let's be honest. It's a joke. Dogs are boring. Cats are boring. Cette scène n'a aucun sens. I'm sure I'll be the only one. Je veux le secrétaire là, qu'est-ce qu'on fout ici? Happy birthday. Quand est-ce qu'on va au travail? C'est... Ça c'était pour une OP Insta? Qu'est-ce que... Great, you know? Voilà. Sarah? Could you come in, please? Okay, well, it's your first day at work, so we should get you started with something. Nothing too hard. Let me ask you to... La première tâche de ta nouvelle secrétaire sera... Lui demander de faxer des contrats et de décaler un rendez-vous. Lui demander d'amener ton linge à l'eau pressée. J'ai lu et de décaloter un rendez-vous. Je suis matrixé par le jeu. Tu peux décaloter un petit rendez-vous là. Lui dire que tu n'arrives pas à te concentrer parce que tu ne penses qu'à la baiser. Putain. Mais... Lui montrer comment bien agrafer de façon sexy. Trouver un moyen de mater son cul furtivement. Ah, c'est ça que j'ai vu sur Steam. Vas-y, bah fais le E. J'ai vu ça sur Steam, il me semble. I know. Il jette un truc au sol. Elle va porter plainte au prud'homme. Direct. And if you can organize them, would be great. So just into different, you know, piles or whatever, like you know the FDA stuff, the different various things. So I've just put them all on the floor because there wasn't much space on this big desk. So okay. Do you think you can do yeah, it? I'll yeah, I'll do just, that. Oh, bordel. Get in there. And... Il a mis ses lunettes. Non, mais... C'est terrible. Mais il y a d'autres gens dans le bureau qui le voient faire, là. Bah ouais, tout est transparent, là. Qu'est-ce qui se passe dans ce bureau, là? C'est long. La longueur de ces scènes. Okay, actually, they're not that important. Just put them somewhere in your desk. Okay. All right, thank you. Quel loser. Mais quel loser. So, Charlotte, this is actually a true story from my office days when I was 18. Et voilà, c'est une merde. Mais voilà. Autonomy in Cambridge, England. C'est une merde. The director put a bunch of stuff in the corner and then et j'ai trouvé ça super cool. Bah ouais, il a trouvé ça super. J'adore le harcèlement au travail. So it's actually a true story, and she was just being polite and helpful in the office. She had to do her job. So what's she going to say? No, I'm not going to pick it up. But everyone kind of knew that it was a way to just check out her I'm sure they told her as well. So is that a good thing for a boss to do? No. Don't well, I suppose do she it. Doesn't know, but don't obviously do it because you're a nice gentleman. Very bad. Il vient de se rendre compte qu'à l'instant, se faire ça, c'était pas... T'as l'impression que pendant la scène, il a dit « Ah merde !» Pardon, ah ouais, très... ouais, ne ouais, le faites non, pas. C'est pas bien, ne c'est le faites pas, bien, très mal. Oh là là, pas bien. Ton approprié pour lui parler. Restez professionnel parce que vous êtes au bureau. La draguer et dire des trucs coquins pour établir un lien. Te montrer ouvert sexuellement parlant parce que tu fais ce que tu veux dans ton entreprise. Oh putain. Oh, on va se roll la game. On va se roll la game. Oh, allez, on se roll la game. You know what? It's kind of the wrong question. Like, what you should do with mail. Il parle bien fort. Not so important. It's all about how. Surtout qu'on entend qu'il y a du monde dans le bureau. I'm the boss. Everything you see and everyone you see belongs to me. And here's how I run things. We're all like a family. A family that fucks, right? So excuse I need me? You to be more sexual. Yeah, listen. You're opening the mail, oh, sexual. Putting through a call. Mr. La Rina, I've got a call for you.
and I'm gonna fuck you later. Here's your call. This kind of stuff stop is it, what okay, we need. Stop it. I'm just if beginning. You want this, you can do I that yourself, it. Really. Tu peux avoir gros là, porte-plainte. Dénonce-le, il va fermer boutique, le con. What a great hire. Sleazy boss, not the way. La meuf, elle en peut plus d'être ici. Elle en peut plus. Yeah, you need to get used to that because we get a lot of mail. Most of it is junk, right? But don't throw it out right away. Why don't we start like this? Make two piles, right, for the first couple weeks. We'll try and figure it out and, you know, slowly we'll get to the point so that you're just opening everything and only bringing me the important stuff. But for now, you know, try and separate into two piles and we'll see how it goes. Okay, got cool. It. Okay, super. Bah, super, voilà. T'as marqué des points, là. Par contre, son job, c'est vraiment de faire des piles, quoi. Tu fais deux piles pendant this un mois, là. This is a pretty obvious one, I think, right? Yeah, of course. Mr. Lorena. Yeah, what's going on? I have Thomas Green on the phone for you. No, wait. Hey, Thomas, how you doing, buddy? No, that's just rumors started by short sellers. You know what those guys do, pushing down the share price. Il fait le trader, là. 3000%. Oh, allez, on peut se le permettre. Elle arrive même pas à dire quelque chose de crédible. It was really just so we can, you know, do better R&D and create more life-saving drugs. Ça, c'est horrible, c'est la vie qu'il veut avoir. C'est terrible. Je suis sûr que ce pauvre loser est toujours célibataire. Hein. Bon, elle vient de faire une connerie, du coup, le choix, ça va être quoi? Lui péter la gueule devant tout le monde? Lui faire un plaquage? En faire un exemple pour les autres et la tabasser. Non mais vraiment, c'est possible. Hein. Il y a une scène où il jute dans un pot de fleurs. Ça m'étonne même pas. Lui dire que tout va bien, que ce n'est rien. Lui dire que ce n'est pas très grave mais qu'elle devra faire plus attention la prochaine fois. Lui dire de réserver une chambre à midi pour vous deux pour se faire pardonner. La faire pleurer pour lui donner une leçon. Alors j'ai envie de faire les deux là. La pleurer, ça m'intrigue, comment t'arrives à faire pleurer quelqu'un, quoi? Genre. Oh bah il va juste être très méchant, je pense. Faut être un peu fragile pour pleurer. T'sais, moi je me dirais juste, bah t'es un connard, genre. Oh, tu sais, au travail, si ton patron c'est un connard en vrai. Tu viens d'arriver et tout. Thomas Green, he's on the do not answer list, right? 20 people are on there. All these shitty journalists, all trying to dig and find out stuff and publish shitty articles. And you put him straight through to me, the CEO. Do you know how uncomfortable that was for me? It's my first week. It's going to be your fucking last week if you carry on with this shit. Your job is easy. You answer the phone, you do some filing, you do emails. It's not rocket science. Si, envoie-lui des agrafes en plus. You're crying now. Fuck off out of it. And if you answer the phone again and put these fuckers through, I'll cut your hand off and see you. Ça y est, il a dépassé les limites. Et je t'envoie en Arabie. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est quoi le rapport avec je t'envoie en Arabie Saoudite? Et je t'envoie en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que c'est que ce problème? Don't need to make her cry, right? Never make anyone cry. Il faut la faire. L'incontournable. Je pense que c'est important. This Thomas Green guy is on the list of people that you don't put through. He's an annoying prick journalist, all right? Mm-hmm. Now there's going to be some article about how we're raising drug prices and all this shit again. What I want you to do is go and book a hotel for lunchtime, bang your brains out, and then maybe you'll work a little bit better after that, okay? Y'a pas eu de transition. Go and book the hotel. Elle a dit get ready. Pourquoi elle a dit maybe quoi? Maybe some sexy underwear or something. Mais ça va pas du tout là. Alors normalement ça devait pas se passer comme ça. Alors comment? Alors dans sa tête peut-être que ça passe. Dans sa tête de détraquer. Ou alors, allô, à la police. La police. Bien joué. Hello, Mr. Beckham. I have allez, ça appelle la RH. Le RH. Nice. Mr. Lorena offered me to book a hotel room to have sex with him. I'll text you the details. La sauce. So you meet us there? Okay, thank you so much. Comment ça, tu l'enjoins? Ça veut dire qu'elle va réserver l'hôtel, ils vont y aller à deux, mais en fait, les attendra là-bas.
Il va lui péter la gueule. True story from my office. Non, right? Mais non, c'est pas vrai. Non, non, non. The boss, oui, le fameux boss. Oui, oui, le boss. Le fameux boss. Pas toi, hein. Ouais, ouais. Faut quand même dire que c'est pas très grave, elle a fait une erreur. Ouais, alors faut pas dire que tout va bien. Tout va bien, faut pas exagérer non plus. J'ai un petit rappel à l'ordre. Sarah, do you know what you just mais écoute-moi bien, grosse conne de merde. Tu n'es qu'une merde. Okay, so he's on the list. You've got it there somewhere in your desk, right? Yeah. You know that one, 20 people not to yes, put through? All right, he's going to probably write a bad article or whatever. Don't worry, you just started. Everyone can make one or two mistakes. It's all right. But in future, just, you know, your job is basically to protect me from all these nasty people. My mum put them through straight away. Certain people put them through straight away. Thomas Green, sorry, he's busy. He's always busy, he's in a meeting, he's out, that kind of thing, right? Don't worry too much, just, you know, be careful. I'm so sorry, I didn't mean to do that. That's I'll be right. More careful in the future. T'en peux pas deviner qu'il faut passer et qu'il faut pas passer. Hein. Apparemment, elle a une liste. Elle a fait une erreur d'avant. Elle a qu'à réserver une chambre. Ouais, mais... That's the right option, you know, in... Mr. Lorino? Yeah? You have three meetings coming up today. First okay. one with the FDA guy. All right, I'm gonna need the money bag for that one. Okay. Quel cassos. A money bag? C'est vraiment un cassos. Okay, he's useless. What's the next one? And the last one is with Phil Beckman. Okay, now you know I told you about Phil, right? He's very, very important. He's invested even more money. He's up to over a billion with us. So you know how he likes his coffee. Pourquoi elle a appelé ce mec-là, du coup? Alors pourquoi elle a appelé un des mecs? Je sais pas, il y a un problème dans le script. You know what to do. Lui donner une tâche privée, lui révéler des infos personnelles, lui dire que tu as fait un rêve coquin avec elle, lui raconter les détails salaces. L'enlever des ragots. Dire de porter une tenue plus sexy au bureau. Oh putain. On va faire le... Ça doit se faire encore. Ça, le D là. C'est sûr que tu sais, ils doivent 100%. Le dire de manière plus implicite, mais c'est 100%. Sûr qu'il y en a qui le disent encore. 100%. On va faire le trash. Le choix trash. I've seen you reading those magazines there. Do you know anything about dream analysis? Yeah, I do. Yeah, like that stuff. On like doit enjouer elle de répondre. Je sais pas ce qu'il elle trouve le sujet intéressant pour l'instant. Yeah. Well, help me with this. I had a dream last night. Mm-hmm. I was lying on the non. beach. Oh, putain. Eyes closed, oh, non. Sun beating down, sound of the waves, giant erection. And then I just heard some footsteps. Someone pulled down my shorts. Et attends, then elle a pas la chute. They sat on my dick, started riding, and I heard your voice. Then I opened my eyes, bam, there you were. Well, what do you think that dream means? This is so, so disgusting. Yeah, what does it mean? It means go fuck yourself, okay? That's one interpretation. Okay. Non mais. Non mais c'est pas possible. Mais quelle bouffe. Eh bien figure-toi que c'est une anecdote qui m'est arrivée au travail avec mon patron. Il y avait mon boss qui était là et il s'est branlé au bureau. Oh cette grosse merde. Une tâche privée. C'est approprié de faire ça ? Un peu bizarre, je sais pas ce que ça sous-entend. C'est un peu bizarre de donner une tâche privée à un employé. Bah, c'est malvenu, mais il y en c'est a pas malvenu, qui doivent quoi. Le faire. Ouais, mais c'est malvenu, quoi. Peut-être c'est pour faire un truc rigolo, un peu connivence, tu vois. Ouais, alors si elle va tout répéter au directeur marketing... La con. J'aurais dit c'est... Alors que moi, avec la D, il n'y a aucun risque. Elle va pas faire de bourde. Rien dire. Non, je mettrai pas la D. Oh, tu veux encore un choix. Mais ça sera pas un choix rouge, ça. Je pense pas. Mais si, c'est un choix rouge. Mec, ce soir, il va juste avoir peur de dire quelque chose. Now, Sarah, comme dans la vraie vie. And I've noticed something. It's a little bit personal, but basically, these outfits you're wearing, they're not really working. Okay? You look like a cross between Hillary Clinton and that Angela Merkel German one, you know? So,
We're gonna have to sort this out. I need you to take the skirt. Pourquoi il a précisé l'allemande en parlant de Angela Merkel? L'allemande. Oui, Angela Merkel, je ne parle pas de la funambule qui habite à Tournandry, je parle bien de la chancelière allemande. C'est dit l'écriture, personne ne croira qui c'est. Alright, you can have some budget from the company to go shopping. You know what? Yeah? You have to send an official request to the HR department first. HR department? Fuck that, it's my company. I'll tell them right now. Sarah, get HR. HR! Sally! Sally, get in here! Trop long. Sally! The HR one, get trop long. À moins que ça y arrive vraiment, c'est trop long sinon. Voilà, non, c'était vraiment long. Vraiment, juste trop long. HR and maybe. Yeah, I'd be on the phone to HR pretty quickly. Il est, à chaque fois qu'il commence sa scène d'explication et un peu d'excuses, il commence mal. Genre, ça poserait problème avec les RH, donc c'est pas un bon choix. Il est trop con. Non, pour lui, c'est normal. Non, d'un point de vue business, ce serait vraiment pas ça. Ouais, ça nous ferait peur d'argent, ça mettrait en danger la boîte. Ah, ou c'est. Bah, le C du coup, parce que sinon. Je trouve ça bizarre de. Le C est risqué pour nous-mêmes, c'est tout. Ouais, bon. Sinon, ça, elle va juste sentir une proximité, tu vois. On va juste rigoler un peu, quoi. Yeah, I can tell you. You know Dominic, marketing director? Yeah, I know. Oh shit, this is amazing. Check this out. You know, he's got all these tailored suits. Oh, par contre, ça dépend ce qu'il linen and silk and all that. Yeah. Yeah. Lots of nice suits. Tu savais qu'il se branlait sur des photos de toi. Oh, il est incapable. Voilà, petite anecdote marrante, t'en fais ce que tu veux. Okay. Ah, ça y est, il a sorti un truc trop. He makes amazing suits, thousands of dollars. Ah, ça y est, il sort un truc qui est pas ouf. Can you believe it? I mean, don't tell anyone, but I just wanted you to know. Voilà, c'est important. C'était ok, c'était pas une anecdote sexuelle. Il aurait pu faire n'importe quelle anecdote rigolote. Il a encore ruiné le truc. Don't tell him I told you. Mais on pouvait pas deviner l'anecdote qu'il allait dire. Ouais, après c'était ragot, j'avoue, j'ai hint. No, it's just unprofessional. J'ai hint. Dommage. Ouais, mais moi je sais pas, j'imaginais quelque chose d'autre comme. Un truc rigolo. Il avait des problèmes de digestion, il pétait discrètement. Ouais, un truc bon enfant, quoi. Ouais. Dommage. C'était gênant et nul, voilà. C'est... Lui demander comment s'est passé son week-end. Parler de la fille que tu as baisée ce week-end. Lui demander quand est-ce qu'elle a baisé. Okay. Il revient juste de week-end, il lui demande ça. Ah, alors, t'as niqué ou pas, toi? Oh. So how was your weekend? It was good. Yeah? You know, mine, it was hard in many ways, right? Because... First, I had to do all this, you know, finishing the investor presentation, all that rubbish. But Saturday night, this chick came around, Dorothy. Oh my God, her body's amazing. God, obviously, she came to bang, so that was all as usual. But get this, she wanted it up her ass. She was so we had anal. No. Do you like disgusting. Anal? No. You like? You don't like it? Maybe no. Try. I'm gonna take you to court for that. Hop là, la plainte. Oh voilà. Allez hop, ça dégage. C'était une vraie histoire que j'ai entendue au bureau. It's normal office conversation, no? I don't think so. And certainly not the explicit detail part. Ah, that's the problem. Ça dégage. Ah, c'est loin, normalement. Hein. Après, il y a le C. Hein. Tu veux le C, c'est ça? Tu veux. Ça peut être bonne ambiance. Ça peut être une autre plainte. Allez, une autre plainte. Do you have a good weekend? Yeah, I do. Listen, I wanted to ask you, when was the last time you got fucked properly? You know, like, ah, ça va, really, really well. Excuse and you're me? Like, yeah. Huh? That's none of your business. Well, you work for me, so I make it my business. Petite plainte. So as you heard the guy ask... Putain, mais à chaque fois il a entendu parler d'un mec qui a dit. On dirait le mec qui dit j'ai un ami qui voudrait savoir. C'est vraiment un con. Yeah. Oh là là. How was your weekend? It was fun. I went to go karting with my friends. Yeah, it was I'm surprised. Fun. Yeah, you like racing and stuff. Yeah, I do. Actually, driving is my passion. Well, I didn't know that. Yeah, and how was your weekend? Oh, it was good. I had to finish some work and then just relax, watch the movie, and it was pretty good. I feel rested, but I didn't know we had a speed freak in the office. Well, now you know. Ouais, elle fait des gros rallyes. Ouais.
seems like a classic question to ask someone. Yeah, agreed. It's not too personal, but... Sarah, how long tu n'écoutes pas les conseils, très bien. Ouais, il me saoule. Yeah, about 3 weeks, right? Look, I think you're doing great so far. You know, thank everything's you. Cool, pretty much. And I just wanted to know, like, what are you looking for in general in your career? Like, what, how do you want to develop? Well, my main goal is to learn and develop, and mm-hmm. I want to get as much knowledge as possible in all areas of the business. Mm-hmm. So yeah, I'm very happy. Il va lui sortir une dinguerie. Ouais, c'est sûr, c'est là en mode. Est-ce que ton mec a déjà eu de la merde sur la vie quand tu t'es enfilé ou pas? Regarde, voilà, c'est. Pourquoi? Because on one hand, possible. Very good. Yeah, nice telephone voice. Hello, this is Sarah. Richard and Co. Lovely, all of that stuff. Filing A to Z, perfect. But we got problems. You know, conference call. Question from Morgan Stanley. Why aren't you there sucking my dick under the table? Excuse me. Yeah, you need to improve. Otherwise, you can be secretary forever. Go fuck yourself, you're so disgusting. Une plainte, encore une plainte. What's this, a diary where you talk about me? Trop long. Il va dire un truc sur... Some shit meetings and stuff. Moi, je vais me branler dans mon bureau. Crude. Alors certes, un peu yeah, vulgaire, mais je connais crude. Un collègue qui a déjà fait ce genre de choses. Et puis Gordon, il va y marcher, voilà. Oh, for fuck's sake. Here, there's another one, dude. Trop long. Terrible problème de timing. Mais... Lui dire que le monde du travail est réservé aux hommes et qu'elle devrait plutôt chercher un mari. La réaction des années 30. Le Moyen-Âge. Sarah, you know what? I think you're taking all this a little bit too seriously. I mean, you're a secretary. You're not really going to be more than that. Why don't you just think about your life outside, right? Like, find a man, have a little baby. Little baby Sarah, ding ding ding, you know, all this stuff. Because how old are you? 22. Do you have a man? No. Oh, God. I mean, you need to hurry up, find a man, get married, have babies. You're a woman after all. You're you know? Such a sexist pig. I know. Cheers. All right, well, hope that was useful. So, misogynic, Miss Dick. Misogynistic, dick, trick. Misogynist. Misogynist. Ok. On a compris. Elle lui donne des conseils pour sa carrière et jouer les menteurs, lui dire qu'elle devrait avoir ses attentes à la baisse. Bah, Bah, oui. T'es là, t'as des expériences, tu la conseilles. The person that had your job before you, they're actually doing really well now in another business. So there are lots of opportunities. I didn't know you had that kind of ambition, but here's what I can do. You know, we've got all the different departments here, everything from IT to marketing to the research and development guys. So why don't I invite you to more meetings, more events, and that way you're just going to learn about all the different sides of the business and we can see what you like, see how things go, and yeah, maybe we can find something better for you in the future. How does that sound? Really good. Thank you. That's the right option. Sarah, are you there? Encore une petite sonnette. Yes, Richard. Let's go. L'invite à une soirée professionnelle de mise en réseau le lendemain. Sûrement te branler en étant au téléphone avec elle. Oh non. Oh merde. Et on est obligé. Mm-hmm. On doit toujours faire le pire choix. On doit toujours faire le pire choix. On est obligé. On n'a pas envie de voir ça. What kind of food do you like? Food? Yeah, just tell me. I don't know, I like rice. Do you like lollipops? Oh putain de merde. No. Oh non mais la tête qui fait... What's that sound? Il me dégoûte. Nothing. Just keep talking, tell me something else. Well, I'm on speaker and with Phil Beckham at the moment. With who, sorry? Phil Beckham. Okay, cool. Alright, catch you later, yeah? Bye. Terrible.
Et je sens que dans l'explication, ça va le faire rire. This actually happened. Really? Yeah, Louis C.K. Oh. Mm-hmm. Allez, on l'invite à une soirée professionnelle. Sarah, mais de toute façon, l'objectif, c'était quoi? On n'a pas vu l'objectif. Est-ce qu'on a démarré le chapitre directement? Yeah, of course. Thank you for the opportunity. Anytime. Okay, great. Ah, du coup, on va être à la soirée professionnelle, là. So this is cool because it's toujours pas. Au fait, Sarah... Qu'est-ce qu'il va encore foutre? Comment te comporter à l'événement de mise en réseau? Te bourrer la gueule et faire le premier pas? La jouer cool? Flirter discrètement? Te bourrer la gueule. Ce non, par contre, ça va peut-être niquer tout l'événement. Parce que là, c'est genre pour un truc d'après. On va flirter discrètement. Ça, on va mal le prendre, mais il faut être vraiment subtil, hein. Bah, regarde, il est subtil depuis le début. C'est pas un mec très subtil, mais... J'avoue, c'est la première fois. It could go both ways, really. A bit risky, maybe. Yeah, maybe not great for longevity, but then, I don't know. It just depends on the woman, maybe. It's also that it's the first time, right? So to kind of get through that in a professional way is... I think it's a big tick, if you can do that. Sa pauvre tête, là. So, you went to the event with Mr. Larina? Yes, I did. Did anything happen? No, it was fine. He was kind of flirting, but I guess it was just the drinks. He probably drinks too much. Yeah, maybe. Quel gros porc. Ah voilà, ils me prennent pour un cassos, là, vraiment. It's the weekly strategy meeting. I want to get it kicked off in a great way. So, who has a fantastic idea? Mr. Larina. Gerald, okay. Good one. I've been working on a proposal to increase our Facebook and Instagram likes. I have 3 posts a day with defining quotes, health tips, and picture of the people with the disease and whatnot. We think it'll get good traction in social media, so gain a lot of shares. Increase our likes. I'll send some concepts. What do you think about this idea? It's about going to cost about $15,000 per month. C'est cher pour 3 posts. Putain, 3 posts par semaine, combien? 100,000 followers within 6 months. C'est vraiment solide comme idée. Humilier le mec pour avoir eu cette idée de merde. C'est trop. Te branler dans le pot. Ça n'a aucun sens. Il y en a 3 à faire là. Il y en a 3 à faire. On va commencer Attends, branle-toi dans le poster. Ça, y a pas de doute. En quoi c'est. You want to know what I think of that idea, Gerald? Comment il en est venu? Was it a good idea? Do you want to know? Alright, check it out. Gerald, this plan is your idea. I'll show you what I think of your fucking idea, yeah? Pourquoi il reste à regarder le chien? Pourquoi il est là? Get back to work. Il a perdu sa boîte là en fait. Oh. Trop long. Arrêtez putain. So this is a Harvey move. Harvey Weinstein. Humilie le mec. Congratulations, Gerald. For the fucking stupidest idea I've ever heard in this office, you fucking marketing team. Look how many of you. I want one good idea, I get this bullshit. Ah merde, ça va peut-être pas être rouge. Ouais, je crois que ça va pas être rouge. Merde. Oh, du coup, elle nous aime pas là. This is fired. All right, Gerald, you think about that, all right? Ah merde, c'est pas rouge, c'est juste nul là. Oh merde. So, stupid idea. Merde. The boss has the power to humiliate. Terrible. On a perdu des points. Hey, morning. Morning. How you doing? Good, and you?
Oh, I'm all right. I'm a little bit embarrassed, though, that I've got a massive wine stain on my shirt. It's a disaster. Yeah. I mean, it wasn't exactly my fault. Et ça, ça sort du cadre de ses compétences et de ce pourquoi elle est payée. Wine stains are just never, très, never a ça good sort complètement. Do you think they'll be able to get it out at the dry cleaners? Yeah, okay. Sure. Right. You didn't tell anyone, did you? Like, oh, Richard's done a wine stain. No, I didn't. Oh non, ça, j'ai une tache de vin à côté du trou de balle. it was great. On sait très bien vers où ça va aller, cette scène de merde. Thanks for the opportunity. Il demandait si des hommes lui plaisent à l'événement et lui expliquer pourquoi ils sont nuls. Ils sont nuls. Bah, faut savoir si elle est célibataire de manière détournée là. Ouais, c'est une meilleure solution que de dire directement. We were away for a few days. You know, is that okay with everything? Like, yeah, it's okay. You don't have cats to feed. No, I don't. Boyfriend didn't miss you too much. I don't have a boyfriend. You don't? Okay, great. So, I can invite you on even longer trips, right? Like, if we needed to go to different conferences in different countries and stuff. Okay, great. Right, let's get back to work. Je suis vraiment très fort. It's kind of a little bit of a sneaky way to do it because if you. Sarah, can you come in? Richard, do you need anything? C'est vraiment ça fait good news. C'est la répétition de ta scène 175 quoi. Sarah, s'il vous plaît. Sarah, 10 camions. Putain. Brilliant. Really? Yeah, share price is up. Guy lost over a billion. Everyone's redeeming their funds, taking money out. He's in big trouble now. Everything's brilliant. Congratulations. Yeah, we need to do something to celebrate. Bah, on est obligé, hein. Bah ouais. Le choix harcèlement, yeah, like c'est Friday parti. Night, somewhere nice. Mm-hmm. Yeah, just pay everyone back. But you know what? Putain, il va le faire. Ouais, il se lève en plus, c'est tout, genre vraiment. So I want to say thank you for the support. Voilà. Now you need some legal support. Oh, I love it. I love it. She's so fiery. Il y a des mecs comme ça. Sexy bitch. What will I do with her? Psychopathe. For a job well done. Alors, bah vu qu'on a été très méchant avec tout le monde, on peut être très gentil avec tout le monde, peut-être. Oui, on peut lui donner 1000 dollars et lui dire de garder la monnaie. Allez. Eh bah, achetez des sauts d'ébo et vous êtes des villageoises. Achète un paquet de lulles. Wow, trop riche. Oh le mec, wow, il a tellement d'argent. Il est tellement fort. Friday, get some booze, some nice food, sushi or something. What else can we do? Just little gifts for different people, right? Okay. Spend every penny. Good idea. You get something nice for yourself as well. Cool, nice one, the right option. You know, it's good to show the love, be generous and. Richard, yeah? Everything is arranged. Oh, great. Thank you. Yeah, I just wanted to tell you something that I really like it when you're relaxed because you seem really stressed lately. Ouais, bah dans un monde alternatif, tu l'aimerais pas, crois-moi. Hein. Ouais. On a fait des univers parallèles où... Plus informel, déplacé. Je te dis que c'est déplacé ce que tu me dis, Sarah. Non, mais ça va pas. Bah, plus informel. Ouais. Hey, you know what, Sarah? I was really stressed, and I'm sorry if I was a bit sharp with you at times or anything like that. You know, it happens. But now we're in a good time, so all is well. And I think you bring this calm to the office, and it definitely helps the atmosphere. Oh, it's so nice to hear that. Yeah, you have a great energy. Thank you. Ah, oh, Richard, il est en train de smurfer la game. Hein. Excellent. Well done. Sarah, you know what? What? Oh non! Oh non, il va tout se rompre!
Oh non. Tu sais, au mur, mais vraiment, tu sais, sur les vitres transparentes. Détache-le ta ceinture. Tu t'aurais pu être bien, il a rajouté de détacher ta ceinture. Some new responsibilities. Would you agree? No. You've been working here a while. I don't know. All right, got something for you. Oh non. Are you ready? Non mais attends, oh il l'a enfermé là. No. What's going on? This someone please help! You gotta do it. Oh bon, oh bon sang, oh bon Dieu, non non, remets ton pantalon Richard, personne veut voir ça. No, you ain't going. Putain de. That was totally diabolical. Oh bordel. Allez, encore un Richard creepy. We've been working together a long time now, right? Yeah. Yeah, and I think it's going pretty well. Yeah. Oh putain, fois j'entends sa respiration forte là. Puis son bureau il est trop petit, il fait peur. Oh non, non, arrête. Il y a tout le monde devant en fait. Mais. Elle. Mais. Fous-lui elle... Quoi? Pourquoi elle s'est. Mets-lui un coup de pied dans les couilles. Donc là, mon choix il est validé. Attends, on va voir. Is that better or worse? I mean, now you've got proof, so. Oh non. Bah, je pense c'est vrai qu'elle est vraiment pas au courant, la meuf, de ce qui se passe. Ouais. Because, ouais, elle a pas vu le jeu, en fait, elle a pas vu les scènes. Sleeping with the boss for promotions or something. Yeah, absolutely. Mais. Well done. Everyone is talking about you in the office. They say you're fucking the boss. Oh putain. To get promoted or to get extra stock options. Oh merde. You're my friend, but if this is true, screw you. On a ruiné la game. Et voilà, c'est terminé. Attends, peut-être pas. C'est terminé de ouf. Monsieur, voilà, c'est terminé. Genre, ça s'est très mal passé. Putain, mais je pensais que ce serait un choix rouge et qu'on pourrait retourner en arrière, quoi. Ouais, moi je pensais qu'on allait se faire recal en mode harcèlement. J'étais sûr. Du coup, l'objectif c'était évidemment. Sors avec ta secrétaire. C'est quoi les autres objectifs? On peut les voir ou pas? On peut voir juste le suivant. But d'avoir un rendez-vous. Ouais. Y'a pas un but défourailler. Défourailler? Non, on peut pas les voir. Ok, ouais, bon, on va s'arrêter là. Le Marmoud, il a l'air d'être vraiment pas mal. Hein. Eh, Marmoud, ça doit être excellent. Hein. Ça doit être cringe au possible. Genre vraiment. Refaire en accélérant, c'était long quand même. Hein. Non, c'était long. C'était super long. C'était très très long, hein. Il y a eu plusieurs stades. Vous savez, moi j'ai eu ma dose de Richard, le gros porc. Hein. C'est... ça y est, ouais, j'ai capté là. J'ai ma dose. Ça se voit que c'est tellement un tocard dans la vraie vie. C'est un tocard. Oh, aïe. C'est un réel tocard. Franchement, c'est dur. Bon, vous n'avez plus qu'à oublier tout ce que vous avez vu. Rien n'est à garder. Voilà. Bah, c'est un bon exemple de ce qu'il n'a absolument à pas faire dans la vie. Voilà, tout est pas bon. Même les bonnes réponses sont pas bonnes, tout est acheté, voilà. Allez, salut Richard. Au revoir Richard. Et au revoir à vous. Au revoir. Ne refaites jamais ça, au revoir. Bisous, au revoir.